Et on va lancer le live TikTok en même temps, par la même occasion. Hop. Et s'il te plaît, la musique de fond, coupe-toi. Merci. Ok, ça me semble pas trop mal. Ok, on est good. Écoutez, aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire. Alors, ça va être un peu routine, mais à la fois un peu déco. On va essayer d'avancer. Dans un premier temps, j'aimerais bien déjà nettoyer ici, parce que vous voyez, ça a vraiment poussé de partout. Et c'est vraiment le mess. Donc, bon. On va déjà déblayer tout ça et remettre les plantes qui ont poussé uniquement sur la plage pour pas que ce soit des boutures, enfin des plantes sans fleurs, sinon ce serait un peu bête pour savoir la couleur que c'est, etc. C'est moins pratique, je trouve. Donc on va déjà commencer par ça. On va tout déblayer. On va enlever celle-ci aussi. Alors j'aurais bien aimé ne pas avoir de fleurs rouges sur cette île, mais je vois qu'on n'a pas trop le choix. Goofy, je vais mourir. Mais Voli, il le fait trop bien, Goofy. C'est la musique de l'enfer. Cette musique-là, ouais, j'avoue. C'est celle de 14h. Sorry. Bon, par contre, je remarque un truc, hein, c'est que vraiment, ici, c'est tout le temps des chrysanthèmes mauves qui spawnent. Je comprends pas pourquoi. C'est horrible, genre. Je n'ai toujours pas l'alerte. Wouh, je suis toujours après tout le monde. Ouais, Yukina! Merci beaucoup, Yukina, pour ton soutien. Merci beaucoup. Et GG d'avoir trouvé. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour ton soutien. Je peux rajouter un au compteur. Il y a la pub qui passe. C'est vrai que c'est écrit sur l'écran. Je ne le vois pas. C'est pratique ou pas, le truc de la pub sur l'écran? Est-ce que, en tant que viewer, vous trouvez ça cool ou pas? Que ça écrive, genre, le temps qui reste de la pub, etc. Moi, je trouve ça sympa. Après, je me dis, tu vois, genre, les gens qui n'ont... Enfin, qui, justement, sont sub, n'ont pas la pub. Par contre, les personnes qui ne sont pas sub ont, eux, la pub, donc ils voient pas. Mais en vrai, ça permet de nous avertir quand est-ce que c'est, d'un côté. Je trouve ça un peu slay. Un peu slay. Et pas SUV, oui, Lolo, de ouf. Salut Ping Ping, salut Delpha aussi, salut à tous ceux qui arrivent. Si je time travel, et salut Slow, pardon. Pour avancer sur la scène H et qu'après je reviens en arrière, est-ce que... Non, du tout, pourquoi? Non, 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 le time travel, il n'y a aucun risque. Hein. Si jamais j'ai fait une vidéo sur le time travel, pour ceux qui sont un peu dans le doute du time travel, c'est juste le jour, hein, ça change pas, ça enlève pas tout ce que t'as fait, ça va pas annuler ou quoi que ce soit. Genre vraiment, c'est juste, tu changes juste le jour, c'est tout. Comment ça, Lolo? Tout venant. Hein? Tout venant, qu'est-ce qu'il raconte? Carrément, j'ai écrit un autre mot. Bah ouais. Ça veut dire quoi, tout venant même? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout venant? Il voulait écrire YouTube. Ah ouais? Tout venant carrément. Ah ouais, Lolo, t'abuses pas, hein. Je sais même pas MDR. Ça veut dire quoi, tout venant? Ça a l'air d'être un vrai mot, genre. Je capte pas. Tout venant. A plus, Yukina. Te pisse pas dessus cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci. Moi, tu t'es pissé dessus tout à l'heure, genre. Te pisse pas dessus tout court. Cette fois-ci, j'ai dit. Merci encore. Et à plus. Oh, purée. Cette fois-ci, vraiment, on dirait que c'est les pipis dessus tous les jours, quoi. C'est terrible de dire ça. Excusez-moi. Salut Hello Moon, comment tu vas? Et salut à ceux qui arrivent sur TikTok, salut Hello. Salut Sarada, salut Tess, coucou Ananas. J'espère que vous allez bien. On va redécaler un petit peu les fleurs là. Si je peux en planter ici. Salut Mimi. Hop, je vais remettre ça là. Alors dans mes poches j'ai un kit du musée et j'ai un kit de rampe. Faut pas chercher, c'était pour ma vidéo de dimanche, mais du coup j'ai des kits à placer aussi. Bon là on a à peu près déblayé, je vais juste récupérer quand même ça là parce qu'on va pas le laisser traîner le plan. Et je vais ranger un petit peu, alors ça on a dit qu'on le laissait. Je vais ranger un peu l'inventaire parce que là j'ai vraiment pas mal de choses qui sont un peu relou. Ouais tu les mets sur les plages, c'est quoi ton organisation? Pour ne pas qu'elle me dérange sur la terre, c'est tout. Y a pas vraiment d'orga précis, c'est juste que bah c'est pour pas qu'elle me dérange et qu'elle se reproduise par milliards. Ça y est les roselots, bah oui quand même enfin. Après, je sais pas combien d'heures à essayer. Salut Seth. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, si jamais, pour faire venir Keke en genre 15 minutes. Si jamais ça t'intéresse, ma chaîne YouTube, c'est Cohen. C-O-A-E-N. On va remballer des trucs. Merci Ananas pour ton follow.
Alors, je vais ranger ça, ça. Notre coco, on va les garder. Établi de fer, ça, ça, ça. Balancelle, vigne. Non, ça, on a dit qu'on gardait. Et je vais ranger ça, ça. Ok. Allez, Lolo, à toutes. On va faire le courrier aussi parce qu'il faut qu'on fasse quand même. Oupsie. Bonne promenade. Et on a Marine qui nous a envoyé un cadeau. Nook Inc. Et Cube. Ok. Comment ça va, Nana? Tu vas bien? Et merci pour vos follow. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Hop. Cadeau. Un colon intégral. Mais quel cadeau de merde. C'est terrible hein, de donner ce genre de cadeau à des gens. À des êtres humains. Des êtres vivants. Bon, par contre, ici, ils sont archi mimi. Tout à l'heure, je les ai vus là en train de faire leur sport. Tous les trois sur la place. Trop mims. Je vais aller leur donner des cadeaux. Alors, il faut que je prenne 9 cadeaux parce que Clara, je peux toujours pas lui donner. Mais on va le faire tout de suite. Au moins, ce sera fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. On en aura un petit peu en rap, mais il faudrait que je refasse aussi. Ça pourrait être pas trop mal. Alors, Caro, STP, lève-toi. On dirait vraiment elle est en serviette de bain. Mais non, c'est le truc de sushi, là. Ouais, c'est le truc de sushi. Salut Marraine, comment ça va? Bien sûr, des cartes amiibo. Bah, si tu me payes les amiibo, ok. Colon intégral. Ah, ce serait terrible! T'imagines? Oh non, ça me dégue. Un serre-tête. Quoi? La oreille de lapin? C'est lequel ça? Je crois que je m'en suis jamais servi. Ah, vraiment, je m'en sers pas, quoi. Wesh, ma chérie, elle a dit ça, j'ai même pas regardé. Slay. ça me tue. Slay. Mais ils ont l'air contents de notre coco là. Un costume de bouffon. Bah merci. Tiens, un costume de bouffon. Ok, super. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Je pense que non, mais bon, on va faire genre. Slay OMG, quelle bonne idée, mais vraiment, ça c'est une superbe idée. Salut Philibert. Philibert, I have something for you, my friend. Take this, noix de coco. J'avais jamais entendu le mot slay avant, c'est vrai Yorvin? Il va me donner quoi? Parce qu'il va me donner un costume de bouffon. Salut Zazu. Une robe pull baggy. Ah, celle-ci elle est cool en vrai, j'aime bien celle-ci. Ça dépend de la couleur, mais la forme de la robe là est mimi en vrai. J'aime bien. Merci à la star et merci M pour vos follow. Ah, vas-y, Tess, dis-moi. Merci, Seth, c'est gentil. Salut Lily, on est en train d'offrir des cadeaux aux habitants. Et on va un petit peu faire notre petite routine et un peu décorer par la suite. En espérant qu'il me donne des quêtes aujourd'hui. Normalement, ça devrait le faire parce qu'on en a quand même de plus en plus, honnêtement. Ça ressemble à quoi? Alors attends, on va se mettre là. Ça ressemble à ça, elle est un peu mime en vrai. Ah non, c'était pas celle-ci. Bon, c'est la forme est mimi, tu vois. C'est un peu mime. Bon, la couleur l'est pas trop là, c'est pas trop ce que j'aime bien, mais. Hop! Salut à la Hawk! J'espère que tu vas bien. J'avais jamais entendu. J'ai déduit le sens du mot à force de vous côtoyer, mais j'avais jamais entendu, c'est vrai? C'est Lolo en fait, moi, qui m'a fait dire ça. Enfin, il a déteint sur moi à force de dire slay, 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 slay à tout va, tu vois. Donc il a déteint sur moi. Mais j'avoue que. Bon, en vrai, non, ça va. C'est un mot que j'entendais quand même régulièrement. Mais bon, pas non plus tous les jours, tous les jours. Ah, c'est vrai que vous êtes obligé de slayer de toute façon maintenant. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, au cas où, ça veut juste dire en gros quand tu dis à quelqu'un oh, tu slay, ça veut dire que t'as dead ça. En fait, slay en anglais, c'est genre. C'est genre tuer quelqu'un, tu vois. Mais l'expression, c'est en mode t'as dead ça, tu vois. Et t'as dead ça, ça veut dire oh, t'as géré. Oh waouh, t'es trop stylé, tu vois. C'est un peu ça. Si jamais. Après, je suis un boomer. T'inquiète. C'est pas parce que t'es un boomer qu'on doit te laisser dans l'ignorance, en fait. Et elle, je peux toujours rien lui donner, hein. Salut everybody, tout le monde. Salut Numap. Raconte-moi un truc. J'avais jamais entendu non plus, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça y est, vous êtes des slayers pro maintenant, vous savez ce que ça veut dire et tout, genre. Non, non, mais c'est beau, hein, franchement. Devenir des slayers professionnels like that, non, franchement, c'est beau. Il nous en reste 4. Ils doivent être chez eux, non? Je pense.
Faudrait qu'on regarde, mais je sais pas si je peux voir d'ici s'ils sont chez eux. En vrai, je pense. Moi, je pense en vrai. Bah, je vois pas en fait. Faut que je descende. Je suis encore dans le move. Dans le move, Yorvin. Ah ouais, dans le move. Ah ouais. Chaque bilague. Tu me fatigues. Numap. Slash ban numap. Ma mère qui m'appelle. Maman, je suis en stream. Je suis en live. Je t'adore, maman, mais... Je suis en live. Je suis dans la boîte. Je suis dans le club. Ah ouais, j'avoue, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est bien d'être dans la boîte et d'être dans le club comme ça. Allez, on va aller regarder si ils sont pas chez eux parce que du coup... Ah, s'il y a... C'est qui habite là déjà? Merde. Robert, logique. Je suis mort, ça m'a fait au secours. Salut Manon, salut Gwen. On se retrouve plus dans le... Ah, mais c'est fou, hein, tu connais les paroles par cœur. Moi, je suis dans le chat perso et dans le live. Normal, normal. Hey, c'est merde de ouf, Lonia. Carrément, je baille. À la base, la fac, c'est ma cam. Je suis le rouleau. Je me contente plus sur le chat. Tout le monde est dans son délire. Après, j'avoue, Shayma, elle force jusqu'au bout de la night. Je préfère cette version perso. Si jamais. J'aimerais bien qu'ils me donnent genre leur photo à un moment donné, genre, ou je sais pas, tu sais, un truc en mode. Be my friend, please. My god. Zazou, je l'ai expliqué dans ma vidéo YouTube sur le sujet, si jamais. J'avais mis une... Oui, si, je l'ai mis, je crois. Salut Salomé, comment ça va? Merci pour ton follow. Je suis trop pauvre pour la version super nunuche. T'as quand même plein de points, hein. Espèce de rave, il peut pas partager. Alors, attends, Tess, faut que je liste ton truc. Hop, désolée, j'étais un peu concentrée. C'est passé aujourd'hui, j'étais avec des potes à l'arrêt de bus et je reçois un mail de ma principale qui nous dit la vie scolaire est fermée pour cause de grève et l'accueil minimum, okay, l'accueil minimum sera assuré. Ok. Du coup, moi, je montre le mail à mes potes et je fais, oh, mais mince, comment je vais faire pour sortir du bus? Arrêt suivant, les gens montent et j'écris dans le bus, monsieur. Il me fait, oui, mademoiselle. Je lui dis, je peux sortir. Il me fait, pourquoi? Non, pourquoi? Je lui fais, mais monsieur, ma mère m'a dit que je devais rentrer chez moi parce qu'il n'y a pas de vie scolaire. Il me fait, oui, il n'y a pas de souci, tu peux sortir. J'attends la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment insoutenable. Mais attention, tu vas rigoler, vas-y. J'attends la suite. Salut Nina! Ah, c'est ça qu'on voulait! Je n'esquive pas trop. À la base, la fac, c'est ma cam. C'est sur le boulot. On se contrôle plus sur le chat. Tout le monde est dans son délire. Tout le temps, Axou, je profite jusqu'à sub. Après, je bouge chez Ma. Elle force jusqu'au bout de la night. Merci pour cette belle version. Merci beaucoup. Elle était superbe. Franchement, plus 5, quoi. Elle est vraiment cool. Alors, on a pas donné à qui? Pardon, j'ai pas bu de thé aujourd'hui. Terrible. J'attends l'album, mais tout le monde attend l'album. Ah tiens, Zinzin. Merci Zoé pour ton follow. Et merci Nejda pour le sub. Ouais. Tu nous fais passer les 80 points, je crois, Nejda. My god. Un beau palier déjà. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci Nejda. J'espère que ça va mieux. J'ai vu que t'étais un peu malade là. Comment ça va? Ça va mieux quand même. Merci Hugo. Merci beaucoup et coucou d'ailleurs au passage, espèce de beau gosse. Va. Oh là là, comment je suis censée vivre face à toi là? Ça se voit que c'était de l'acting ou pas? Merci beaucoup Nejda. Merci, merci. Oui, elle m'a juste dit, ah pardon. Ah, ok.
c'était juste pour m'annoncer le prochain rendez-vous ophtalmo. Créer un événement. Voilà. Bah, c'est parfait. Alerte. Une semaine avant. Deuxième alerte. Une heure avant. Non, pas une heure. Un jour avant. Ok. Voilà. Vraiment, le rendez-vous ophtalmo pour la famille entière. C'est terrible. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Il m'a donné un truc. Un mur peint vert. Bah, je suis ravie. Il me reste quelqu'un et je sais pas qui c'est. Alors, on va voir. Je vais me mettre debout. Parce que là, je suis en train de dormir et il faut pas. Je vérifie que tout passe. Ok, tout est bon. Le nom 7030, on dirait trop un nom de mode. Lire avec une voix de robot, carrément, Lolo. Lolo, Numap, my bad. Oh là là, je confonds tout le monde, ça a pu. On décolle. Et Orvin, tu me fatigues. On décolle. Maman, je vole. C'est terrible. Bon, il est où l'habitant, là? Tout le temps, ils nous font des coups comme ça, où ils se mettent sur les plages, là, où je sais pas où. Salut le robot, c'est pour ça que t'as pensé à Lolo. Ah, peut-être. Pauvre Lolo, faut vraiment qu'on arrête ça. Pauvre Lolo, à chaque fois on le fait chier avec ça. Dû en avoir ras le cul. Bon, Caro, on l'avait faite. Peut-être dans un magasin. Et non, elle est là. Et on va réemballer quand même des cadeaux parce que j'en ai pas beaucoup. Tiens, hop. Mais j'ai un doute quand même. Ils m'ont tous donné des cadeaux en retour. Déjà, c'est bien ça. Elle est trop mimes, je l'adore. Bon, là, elle a un peu une dégaine. C'était une mauvaise idée de lui offrir ce haut parce que je trouve que ça lui va pas trop. C'est pas la même couleur. Après, bon, est-ce que c'était aussi une mauvaise idée d'offrir ça à Rena? Franchement, oui. Voilà. Au moins, je dis les termes. Et eux, bon. Bon, faites votre vie. Faites comme si j'étais pas là. Et on va aller réemballer des petits trucs. Allez. Plus de rides que moi. Ça va, vous êtes pas si décalé au niveau de l'âge, hein? Ça va en vrai. Ça va, franchement. Coucou Yoneo, j'espère que tu vas bien. On va ranger déjà tout ce qu'on a là. On va récupérer les fossiles que j'avais rangés dans l'entrepôt. Je vais aller les expertiser. Et les emballer. Dans des cadeaux. Je pense qu'on peut se faire quand même pas mal de points avec les habitants par rapport aux fossiles. Je suis centrée, je suis très centré, même beaucoup trop sur le haut de l'écran là. C'est un peu terrible. C'est un petit peu terrible. Ok, j'ai quand même pas. J'en ai pas mal là. Ah ouais. Faut emballer tout ça. Ça passe dans mon inventaire ça? Salut Lady, comment ça va? Total Spice sur la place, vraiment, je te jure. De fou. J'ai pas eu la notif, oh no! J'ai prévenu sur Insta et j'ai mis une notif sur le Discord aussi, si jamais. Ça va bien, toi, je sors d'une réunion pour un jeune. Oh, ok. Mais ça va, ça a été ta rue, c'était pas trop... trop galère, tout s'est bien passé. Et salut Lightnap. Oh non, j'ai pas cette place, une vanne. Alors, je pense qu'on va déjà pouvoir emballer les fossiles déjà expertisés et les poser par terre. C'est vraiment un banger en vrai les fossiles en tant que cadeau pour les habitants. En vrai. On peut pas emballer les kits. T'offres un kit de déménagement du musée à un habitant, tu sais. Vraiment aléatoire le cadeau. Et je vais lâcher ça. Du musée dans tes poches, c'est toi de ne pas avoir assez de place. C'est vrai, Neya, t'as pas tort. C'est pas faux. Ce serait hilarant, t'imagines? Ok, alors je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Dans sa maison. Excuse-moi, mais ça ne rentre pas. C'est quand même assez grand. Mais je sais même pas si j'ai assez de place pour reprendre ça, en fait. Puis si dis-moi qu'il en reste pas un ou deux, genre. Putain. Il chie. C'est tout le temps comme ça. Voyez vos ambitions à la baisse, vraiment.
On va prendre le dernier. Ça va, j'en ai pas mal en vrai. C'est cool, c'est cool. Ça, je regarde la suite de Drag Race, saison 19. Mais écoutez, je vous avais dit il y a quelques jours, là, j'ai commencé la saison 1 et j'ai... il me reste un épisode. Il me reste l'épisode final, on va dire. Me spoilez pas, hein. Don't spoil me. Mais j'adore. J'adore la vibe de tout, genre. C'est trop bien, Drag Race. J'ai hâte de regarder toutes les versions du monde entier, genre, j'adore ça. Ma femme, salut ma femme! Je me verrai à la fin, désolée. Oh my god! La française, Younéo. Je regarde la française. J'aime beaucoup l'émotion que ça représente, en fait. Ouais, ouais, tout le monde me dit que la 2, elle est encore mieux, genre, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de regarder. On regarde avec Larelia et Linux. Et franchement, on kiffe, quoi. C'est trop cool. Expertiser des fossiles. Redoli. Ma femme, t'as un dos qui lit, je savais pas. Tu m'avais pas prévenu. Ma femme, t'as vu du coup, tu sors avec Tiga sur Tomodachi Life. C'est beau, hein, franchement. Mon père qui envoie juste coucou dans le groupe de famille. Après le message de ma mère pour le rendez-vous de l'ophtalmo. Ça me tue. Trop mimi. Je suis dans le train, rendez-vous à 19h30. Bisous, trop mignon. Trop chaud. La femme de Lisa, ça slay, mais désolée, mais ma femme elle slay trop en fait. Elle est slayeuse professionnelle, je sais pas si vous savez, mais bon. Pour demain. Oh, c'est vrai? Tu peux m'envoyer l'appart? Ouais, je suis debout. Moi je suis quelqu'un d'active dans la vie de tous les jours. Je marche beaucoup, c'est faux. Et j'ai mal aux jambes d'être debout, mais je me force un peu. Envoie l'appart sur Discord. J'aime trop regarder les apparts. Mon rayon de soleil. De soleil. Tu me tues ou quoi? Ça gagne combien un slayer professionnel? Alors ça dépend. Il y a des jours où le slayer professionnel gagne énormément d'argent. Et un autre jour où il gagne un peu moins. Ça dépend en fait de comment il slay le jour. Mais en général c'est beaucoup. Oh my god, Reyna a une quête. Reyna a une quête. Pitié, dis-moi que c'est un truc bien. Pitié, pitié. Putain, j'avais mon inventaire plein. C'est pas grave. Merde, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Fleur de merde, là! Lisse à la con! Si t'étais pas dans mon inventaire, j'aurais eu le truc qu'elle me disait! T'abuses, j'abuse de ouf. Sorry, my friend. Non, je suis un peu sad. Non, mais c'est ça de d'avoir trop de cadeaux comme ça. Ça va jamais augmenter. Arrêtez! Arrêtez de me triquiter! Me triquitez pas, s'il vous plaît! €49 300. Ah ouais. C'est pas mal en vrai. Franchement, ça slay bien. Il me faut des papiers cadeaux là, j'en ai plus. Ça pue du cul quand on en a plus. Si, on triquite. Arrêtez de triquiter. Triquitez pas comme ça. Ma femme, dis-leur d'arrêter de me... Ma femme. My wife, don't put the ASMR in the English, please. Oh. You're very a coquinette. I have to speak in English. For 2 minutes. So this is... Oh, shit, I don't have the... Stop, wait. Wait, 2 seconds. Voilà, this is the English of French, yes. Wow, thank you so much, the canary for sub offer. Sub gift to numap-du-bas underscore. Oh, he will be very, very happy, thank you so much. I hope you enjoy my English. Oh, this is a beautiful paper. Yes, yes. Yes, 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 thank you so much, canary. Thank you. Du map, you are a very sugar baby. Hein. Aïe, aïe, aïe. Yes, Emerald, this is the ASMR in English. Yes, literally, this is it. Force 50 seconds left. Yes, this is it. Like Michael Jackson film. Yes.
Yes, yes, yes. Like Larelia said. Yes, yes, yes. Lolo, this is it. Not easy, is it? Easy, is it? Can I be serious when you say that? Coucou mon. And that. This is no life should be. Renforce tout le monde. Life is zay-zay if you wear a smile. Ça c'est le vrai zay-zay. Don't ever change your style. Ah le. Quand je suis là le. Ah le filtre est random. La should be. Yeah. Francfort tout le monde, tout à fait, tout à fait. Allez, on s'assoit là parce que bon. Coucou Maëlys. And is this it? Non, is this it? Par contre, ça, Lolo, faut aller canax quoi. Is this it? Il a dit. Non mais je vais mourir. This is it. Ah c'est yogourt tout le monde, c'est ça. Yogourt. On défend toutes les paroles encore plus qu'elles ne le sont déjà. Oh my god. Mais c'est en ASMR aussi, je comprenais pas. Fais pas genre. Fais pas genre, Lolo. Tu savais très bien de quoi je parlais. Bref. Je suis très, très tout bonnement choquée, en fait. Je suis très tout bonnement. Putain. Des fois, j'en ai marre de moi, là. J'en peux plus. Ils hésitent. Terrible. On peut faire ça déjà dans un premier temps. Ça en fait du papier cadeau orange. Mais il est mimi en vrai. Le bleu et orange là, ça passe bien ensemble. De sausage. Tout à fait, hein. En effet. Au secours. Les nunus en ASMR. Life is zay-zay if you wear a smile. Ça c'est le vrai zay-zay. Ah don't ever change your style. Ah le. Quand je suis là le. Ah, c'est quoi, on a ASMR ma femme. Ta tronche ma femme, ça c'est drôle. La should be. Yeah. C'est pas mal en tout cas. Francfort tout le monde, tout à fait, tout à fait. Allez, on s'assoit là parce que bon. Pourquoi t'as clippé aussi longtemps? Coucou Maëlys. And is this it? Non, is this it? Par contre, ça, Lolo, faut aller canax. Pourquoi quoi. Il est pas coupé correctement ton live? Is this it, il a dit. Et ton live, ton clip, il est très long. Ça suffixe en fait. Est-ce que venir, est-ce qu'on ferait pas un peu les cadeaux aux habitants? On peut têter en vrai. Il est passé avec. Oh non, j'avoue. Mais y a rien qui va aujourd'hui, hein. Ma femme, tu triquites. Ma femme, je triquite pas. Je constate. Je constate juste, tu sais, ma femme, c'était pas une triquité. Une triquité. C'était pas une triquité, ma femme. Merde. Emballé. On verra quelles seront les surprises. Hop. En train de régler une fondue. J'hésite trop. Normal que tu hésites. Attends, franchement. Vas-y, les cadeaux. C'est pour mes habitants. Ils vont être trop contents d'avoir des fossiles et des bouts de noix de coco. Ah, let's go, Zabou. Ah oui, c'est la fin, 17h. Un peu de repos, ça fait du bien. Purée, t'as vraiment des journées qui n'ont pas l'air faciles en ce moment, Zabou. J'espère vite que ça ira mieux quand même. Pourtant, ça avait l'air d'aller en vrai l'année dernière. Enfin, genre dans les périodes de août, septembre et tout. Ça allait, non? J'ai l'impression qu'il y a eu un down d'un coup, là, en fin d'année.
peux faire comme ça, je pense. Faut que j'en garde 10, moi je suis con quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là j'ai pas d'infos sur pourquoi j'ai pas ma paye. Oh mais ça c'est insupportable ça. Ça arrive trop souvent en vrai que genre les employeurs ils galèrent à vous payer genre. Ou des fois, tu sais, qu'ils te donnent pas en temps et en heure et qui galèrent, genre, ça devrait vraiment pas se passer comme ça, ça devrait vraiment être tel jour et point final, en fait. Y a pas, genre, à triquiter sur les jours de la paye, en fait. C'est important, la paye, t'imagines, genre, t'as ton loyer, tu dois le payer le jour-là, tu peux pas le payer parce que t'as pas ton salaire, c'est chaud, en vrai. Y a vraiment des entreprises qui abusent un peu sur ce point-là, je trouve. Hop. D'ailleurs, ce pseudo, il y a un cœur qui bat derrière chacun des pseudos. Vas-y, à toute Lonia, rentre bien, bon courage pour la route. À la fin du mois, si j'ai pas mon salaire, je vais monter en mode... Rends l'argent! Rendez! Fin de stream dimanche. Pas de visite d'elle pour moi. Tes amis? Pour mon birthday. On se retrouve à 10. À 10? Ah vache, comment ça se fait? Ça va être une grosse soirée finalement. Grosse soirée. J'ai mon salaire qu'aujourd'hui alors qu'on est censé le recevoir le 28. Non mais je trouve ça abusé en vrai. Je trouve ça vraiment abusé. Vers le 28-30, bah ouais, c'est abusé. Une semaine c'est énorme, genre encore un jour, deux jours, bon vas-y. Tu vois, ok, genre tu peux t'arranger comme tu peux, etc. Mais genre une semaine, ça y est, genre il y a vraiment des gens, ils peuvent pas se permettre d'avoir un retard d'une semaine dans leur salaire, tu vois. C'est chaud quand même, hein. Ouais, ça va Léandra, et toi, comment tu vas? Donne du coup par an. Ouais, donne plutôt. Donne l'argent. Donne l'argent. Une semaine, mais surtout que le mois de janvier, il est long. Alors, c'est quand même, ouais, de fou. Jamais galant. Bon, ce sont les payes. Ouais, ça court plus tard. Stop quoi. Vraiment, je te jure. Imagine, tu passes genre 40 jours sans salaire. Ça y est. Je suis en arrêt burn-out. J'ai 100 euros de salaire. Aïe. J'espère que ça ira mieux quand même. Le burn-out, c'est vraiment un truc dans le taf qui est terrible ça. Mais en vrai, si vous commencez à ressentir que vous êtes en train de flancher, arrêtez. Genre, ne vous forcez pas parce que préservez votre santé mentale quand même, c'est important. Et ouais, Zouzou, t'as subi hier. 30 mois. Grossesse X7. Merci, ouais, Zouzou, pour ton re-resub. Attends, je comprends pas. Mais t'as resub il y a deux jours ou hier, non? En tier 2 déjà? Parce que là. Ah! C'est mon happyversaire aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'était les 29. Je crois que ça fait 2 fois subs. Non, je crois pas. Alors, en fait, moi, quand j'avais pris un tiers, je prends pas régulièrement des tiers. Ouais! Allez, ok. Bon anniversaire, les petits copains. Ok, ok. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Et si tout est permis, on s'amuse bien. En fait, je crois que l'abonnement tier 1 et l'abonnement tier 2, c'est deux abonnements différents. Et quand j'étais sub tier 3 chez Rock il y a quelques semaines, mois, là, en gros, j'avais eu deux anniversaires, mais ils se renouvellent pas en même temps. En gros, t'avais le tier 1 en dessous du tier 3. Enfin, c'était vraiment... Enfin, c'était un peu galère. Je comprends pas tous les trucs de tiers, en vrai. C'est pas hyper clair, je trouve, leur histoire. Ah mais attendez, en fait je suis là en mode j'en prends 10 mais à tout moment je pourrais pas donner le 10e à Clara. Encore une fois. Il est mimi lui hein, zinzin. Mais merci en tout cas Wazuzu, merci beaucoup. Ça veut dire qu'on paye deux abonnements? Bah je sais pas trop en vrai à vous.
Deux subs pour deux tiers. Bah, je sais pas trop en fait. 40 euros, non, je pense pas, vu que t'as passé ton sub hier. En fait, t'as genre l'anniversaire de ton sub, donc là, ce qui était aujourd'hui, mais t'as pris le sub tiers 2 hier, mais tu repayes pas un tiers 2, tu vois, tu fais juste ton anniversaire de sub aujourd'hui. Enfin, je crois, en vrai, j'en sais rien, honnêtement. Regarde et tu nous diras. À Copon. C'est ça, c'est à Copon. Non, à Compon, pardon. À Compon. Excusez-moi, je me trompe. Toujours pas de photo, hein. J'espère qu'on en aura une quand même. Salut Léonie, merci pour ton follow. Et bienvenue. Attends, il a dit bonjour à qui? À Zinzin, derrière l'arbre. Il l'a vu. Oh, il y a Philibert là-bas. Il fait quoi là, dans ses cachettes comme ça là? Philibert, est-ce qu'on se cache comme ça? Il se cache ou quoi? Il veut pas me parler? À Compon, c'est soi que j'aime bien. Bof. Sur quoi, Marino? Excuse-moi, j'ai pas compris. Sur DDL? Sur Disney, tu veux dire? En ce moment, si tu parles de Disney, en ce moment, j'ai un petit peu stoppé. J'attends la mise à jour. Fiber. Oh putain. Oh, je lui ai donné un caca. C'est un coprolite. Oh putain, fil caca x2 là. Le pauvre, je lui ai donné un coprolite, je lui ai donné littéralement un caca fossilisé. Filière. C'est de pire en pire. Coucou Aquanobi. Écoute, pour l'instant, on a juste donné des cadeaux aux habitants et emballé d'autres cadeaux qu'on a placés là. Et on va essayer d'un peu augmenter notre amitié au max. Pour essayer d'avoir les photos, pour ne serait-ce qu'avoir des quêtes en plus pour les habitants. Et après, on passe sur la déco. On va faire ça. Ce sera plus pratique, je pense. Enfin, plus pratique. Ça devrait le faire. Et c'est l'heure de toucher, Giganari, tout à fait. Ah, c'est bon, je peux enfin lui donner des trucs à Clara. Parfait. On touche son nez. Normalement, tout le monde peut toucher son nez, vu que l'émote est gratuite. N'hésitez pas à toucher votre nez, ça vous porte chance. En vrai, comme sur le chat. Je vais toucher mon nez sur le chat, c'est important. Et si vous loupez le touche-nez, vous pourrez toujours toucher votre pied. Costume de bélier, ça va en vrai. Ça craint pas trop. Non, sur Disney, Marino. Au moins, j'ai pas raté le coprolite de Philibert. T'inquiète. Oisouzou. Slay. Salut Sophia, désolée, j'avais pas vu ton message. J'espère que tout le monde va bien. Je vais d'abord remercier Cohen ainsi que les fraîcheurs et les monos pour votre gentillesse. Je peux vous mentir, je me sens tellement bien. Et bien intégrée dans la communauté, c'est dingue franchement. Je peux vous remercier du fond du cœur. Oh t'es un cœur! Bisous Sophia, t'es un cœur. Adorable. Pourquoi de deuxième mode popcorn? Bah tu l'as retourné. C'est trop mimi. Merci à vous d'être là surtout. Hein. Le plus important, c'est quand même votre présence. Il y a personne qui est chez soi, ça m'énerve. Je l'ai pas retourné, c'est deux noms diff. Ouais, si tu l'as retourné. HF, c'est quand tu retournes les émotes. Je sais pas si c'est les initiales de quoi, mais tu peux retourner les émotes quand t'es sub tiers 2, je crois. Et 3, je crois que tu peux modifier les émotes. Ah non, c'est juste la récompense, non? Je sais plus. Tu peux retourner toutes les émotes, je crois, si tu mets tirer du bas et le HF là. Test avec d'autres, je crois que tu peux. Machin, j'ai 9 euros de 15. Ouais, en vrai, je trouve que c'est un peu abusé. Genre, ça y est, genre encore 13 euros, tu vois. Bon, d'accord, mais là, vas-y, 9 euros. Ah bah, m'abusez pas, quoi. C'est presque la moitié moins cher, tu vois. Ils abusent certains. Ouais, dites-vous que genre... ma maman, elle a récupéré toutes mes affaires à vendre et elle les met de temps en temps en vente sur Vinted quand elle peut. Et je lui ai dit de vendre ma robe de gala que j'ai jamais mis parce que le gala a été annulé. Donc j'avais la faim saoulée parce que bon, je ne m'en servirai plus jamais. Donc je lui ai dit bah écoute, revends-la. Et c'était ma mère qui me l'avait achetée.
70 balles, je crois, qu'on l'avait acheté. 69, enfin bref, 70 euros. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, en vrai, pour qu'elle parte, mais là, genre, je sais pas, 30 euros, un truc comme ça. Il y a des gens qui la demandent à 15 euros. Ça y est, je l'ai payé 70 euros. Elle est neuve. Je l'ai jamais mise. Abusez pas du bail, genre. La truc est neuve. C'est une robe de soirée, de gala. Faites pas chier, genre. 30 euros, déjà, c'est moins 5. C'est moins. Je sais même pas combien de pourcents. Il y a des gens vraiment qui abusent, genre, c'est trop, hein. Ma mère, elle est là en mode, mais ça y est, genre. Je vois pas du tout le pied sur les modes touche-pied. Comment ça? C'est un gros pied, c'est une chaussette. C'est littéralement un pied, en effet. Comment ça tu vois pas un pied? Tu vois quoi? Mia? Moi je vois grave un yep, hein. Je te l'échange contre une carte Pokémon, c'est terrible. Genre vraiment, il y en a, ils sont dans l'excès, quoi. Pareil pour tout, tu vois, genre il y a des trucs que... Ma mère elle est fan de Vinted, hein, vraiment. Les trucs qu'elle vend genre à 5 euros, les gens ils la demandent à 2 euros, et ça y est, genre. 5 balles, abuse pas, quoi. Même les trucs qu'elle vend des fois à 2 balles, ils demandent genre 1,20€, frère. Saoule pas. Ne saoule pas, genre, c'est 2 balles. C'est excessif, quoi. Il y en a vraiment, ils... Putain, toujours ils essayent de négocier, ça y est. Tu peux négocier genre de 5 euros sur des trucs qui coûtent cher et tout, mais négocie pas à 40 euros moins cher ou pour 2 euros, négocie pas, quoi, je sais pas. Le truc, il est déjà donné. Il y en a vraiment, ils abusent, quoi. Je vous jure, genre, des fois, je suis là en mode, mais ça y est. C'est trop de négocier comme ça pour tout. Caro, on lui a donné ou pas? 16 bons becs, demi-baguette, 2 sucettes. Je te jure, mais je comprends pas des fois. Hein. Merci Sienna pour tes bits. Merci beaucoup. Et merci Biette pour le follow aussi. Oh, le beau enfer sur la scène. Ah, slay ça, ça slay. Une partie, ouais. Une partie des habitants, ouais. Merci Aurora pour le follow. Rob Véric. Oh, slay. Oh. J'ai plus de batterie dans mon casque. Pas slay. Merci Boba, merci PS pour le follow sur TikTok. Salut Uzu. Et merci pour les cadeaux sur TikTok, j'avais pas vu, merci beaucoup. On l'a fait zinzin déjà, je sais plus, j'oublie qui on a fait ou pas. Ouais, on l'a fait. Ça va bien et toi Jasmine, comment ça va? Merci Benzema pour ton follow. Oh non, petite louloute. Elle lit son bouquin. Est-ce que vous pensez que je peux faire ça? C'est Mims. C'est un peu Mimi. J'adore. Ah, je ferme les yeux. Trop chou, vraiment. J'attends qu'elle descende. Parfait. Hop les. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Benzema. Il me manque plus que deux. Alors, je vais canner. Tu sais, c'est quoi le projet que je viens de débloquer? Une poubelle. J'avais coûté 50 euros, j'avais mis à 20, mais je pouvais l'acheter à 10 euros. Mais vraiment, il y en a vraiment, ils négocient de ouf. Bon, après, d'un côté, c'est passé, moi, ça, c'était en janvier. Il y en a d'un côté, tu vois, je comprends, c'est qu'ils négocient en mode, bah vas-y, ils essayent. Mais enfin, abusez pas des négociations, quoi. Il y en a, c'est vraiment excessif, quoi. Et pour 30 centimes, ils négocient. Ça y est, 30 centimes. C'est qui nous manque, là? On n'a pas fait cube, je crois. Ne parlez pas de Vinted. Marine. Ah non, petite Lolo, j'ai une idée. La folle de Vinted. On t'a invoqué de ouf. Futur Mia pour Akumon. Non, en vrai, franchement, grave. Hein. Je suis vaccinée là, de ouf.
Mais écoutez, je vous avais dit de dire slay. Dites tout slay. Invente une expression slay. Par contre, il me demande jamais ça d'habitude. Vous savez, je suis la... La mail... Quoi? Je négocie pas. C'est dire quoi, mail? Mail. Grougnasse. Ouais, de fou, Jessie. Ouais, coucou, au passage. Moi, je fais la même, genre... Je veux jamais négocier, ou tu sais, je négocie pour 3-4 euros pour les frais d'acheteur, à la rigueur, tu vois, d'accord, vas-y. Bon, ça passe. Mais quand vraiment tu négocies des tarifs excessifs, la meilleure, ah, je me disais. Il manque la moitié du mot, qu'est-ce que t'as foutu? On lui a donné? Non, on lui a pas donné, miskine. Je suis quelqu'un de confiance avec les clins d'œil, ouais, de ouf. La folle, là, c'est trop elle, hein. Je suis quelqu'un de confiance, clin d'œil. Ok, madame, pas de soucis. Si je porte plainte, alors... Je vais smiler maintenant. Y'a de quoi. Bisous, Yorvin. Merci beaucoup d'être passé. Et des bisous. Vas-y, ça marche, Cam. Bisous. Le clavier Apple. Aïe. Bravo, hein. Non, j'avoue qu'aussi, moi, je suis du même style que toi, Jess, sur Vinted. Quand je dois acheter un truc, genre, juste j'achète et je me tais. Ou juste, je fais une proposition à quelques, genre 2-3 euros à la rigueur moins cher, tu vois. Quand vraiment il y a les frais de port un peu abusés, parce que des fois c'est vraiment genre hyper cher les frais de port. Genre t'es là, t'as 5 balles de frais de port, ça y est quoi. C'est un peu excessif aussi. Plus les trucs de protection d'acheteur maintenant. Donc en fait t'en as pour genre 7 euros de frais de port plus protection d'acheteur des fois sur certains trucs, c'est un peu abusé. Pour un truc que tu payes 2 euros, tu te retrouves à le payer 8 euros, tu vois. Donc des fois c'est même pas. Des fois c'est même pas judicieux ou. Ça coûte plus cher de frais de port que le truc quoi. Il vaut mieux prendre des lots en vrai quand c'est comme ça. Y'a pas d'habitants ici hein. Et c'est quoi le truc que j'ai pris à côté là? Je sais même pas, j'ai pas regardé. Bon ça je l'ai. Crêpe aux fruits, ça on l'avait aussi. Bah ouais Jasmine, tu veux jouer avec quoi? Ah, tu pars en totalité, tu veux dire? Non, je joue sur PC, je joue sur plein de trucs en vrai. Sur PC, je joue sur la DS aussi. Si tu parles en globalité. Bah non, Réna, on l'a fait, je suis con. C'est qui j'ai pas fait? C'est Cube, hein? Il est où, Cube? Attends, on a ça déjà. Quel truc de bébé, enfin. Présenter chez quelqu'un, sinon... Ouais, je comprends. En vrai, de ouf, ça t'a raison. Hein. Ça vient cher avec les frais de port et tout. Ça revient cher après. Il habite où? Il était pas chez lui, on avait regardé. On va aller voir s'il est pas dans les boutiques. Parce que je me dis, en vrai, il peut spawner dedans. Même s'il est dehors, au moins, ça nous évitera de le chercher. Mais Philibert, vraiment, il a un problème à être là-bas, comme ça, enfermé derrière les trucs. Salut le Moshik, ça va et toi? Comment vas-tu? Les cartes Amiibo de 10 balles, ouais, mais ça, pareil. Hein. En vrai, les cartes Amiibo, c'est la même, hein. Quand t'en prends qu'une seule, c'est pas vraiment rentable. Tu payes le prix d'un paquet pour une carte, bon... J'en peux plus, bon courage! Bon courage pour la chasse! En vrai, c'est bien, tu sais, quand tu prends un lot de cartes Amiibo, par exemple, mais quand t'en prends qu'une seule... Voilà quoi. Merci pour le follow, Gabi. Il est vraiment pas là quoi. Nulle part ils sont là les habitants, j'en peux plus. Par contre, c'est assez drôle de voir que les habitants ne spawnent pas dans les endroits où ils ne peuvent pas accéder. Genre par exemple, je sais pas, tu sépares une partie de ton île en deux, tu mets des barrières et tout pour barricader, bah ils peuvent pas spawner là-bas genre, parce que c'est pas accessible. Alors que pourtant genre Philibert il spawn derrière les arbres. Mais bref. Coucou Jaima. Salut Alessia. Mais carte Amiibo, ouais vraiment. Bon après le but de Vinted c'est vraiment de faire de la seconde main tu vois aussi. C'est ça qui est bien avec Vinted mais bon.
puis surtout aussi le fait de réutiliser, tu sais, les cartons, tout ça et tout, c'est beaucoup plus écologique, ça c'est clair. Il est où le cube là, sérieux? Il va encore être sur la plage abandonnée là, à coquillages et crustacés. Comment ça va et toi? Les zinzines celle-là. Shaypa, bonjour. Shaypa? Il demandait à l'accueil. Je sais pas qui est Shaypa. Bon, Cube! Cubinou, t'es où? Je pensais qu'il peut être dans le musée. Venons faire un petit tour du muséum. C'est chiant quand tu les trouves pas comme ça, purée, ça me saoule. Coquillages et crustacés, bah bien sûr. Le dollar qui s'incruste dans mon message. Ça va aussi, merci, dollar. Dollar. Bref. Parle comme les robots arbres dans Mario Odyssey. OMG, tu m'as démasqué. On veut le mégaphone, j'avoue, le mégaphone, il serait pratique. Après, la Switch, elle a pas de micro aussi. Elle a pas de micro, la Switch aussi. Hey, c'était l'heure de goûter, j'ai même pas goûté, moi. Je suis une zinzine ou quoi? C'est quoi mon problème? Non, elle a pas de micro, la Switch, là. C'est peut-être pour ça. Hein. Waouh, j'adore. Bye. Y a pas d'annonce à Nintendo Direct aujourd'hui. Ouais. Ah bah il est là. Perfect. My lord. Take it. Bah si le mégaphone il servait à appeler les habitants quand tu les cherchais. Là tu vois dans le cas là, quand tu veux leur offrir des cadeaux, il serait trop pratique là. Mais si, il servait bien. Des mini tablettes de chocolat au lait praliné. Oh miam. Tenue de mousquetaire. Il me donne que des trucs de merde tout le temps, j'en veux plus. Allez, jour suivant. Venez pas dans le musée, pitié, cette fois-ci, quoi. J'en peux plus. Vous avez de la chance que mon musée, il est rempli. Au moins que ce soit beau quand on y va, quoi. On va se mettre à midi, parce que c'est l'heure où ils sont plus dehors. Mais ça me dit un truc, en vrai. Mais ça a l'air vachement bon, ça. Table de chocolat, ça me dit un truc. Il y a moyen que j'en ai déjà mangé. Je commence à acheter un là. C'est trop. C'est terrible. C'est terrible. Bon, et pratique, ouais, j'avoue. Ça me dit un truc, franchement, il y a moyen que je connaisse. Par contre, vous savez, c'est qu'il faut que je me rachète des boîtes de mouchoirs. J'en ai plus du tout. Et dans mes pièces, les boîtes, elles se vident. Donc. Faut que j'en rachète. Faut que j'aille en chercher dans la semaine. Là. Et merci N pour le follow. Il fait beau en vrai dans la période des fleurs de cerisier. Il pleut jamais. C'est ça que j'aime bien dans cette période. Il fait tout le temps beau. Je reste en l'air. J'essaie de trouver un taxi pour rentrer chez moi. Et bah bon courage, Emma. Et fais attention surtout. Bisous Léandra, merci beaucoup d'être passé. Moi qui pensais pas bosser, c'est râpé. Comme le gruyère. Pourquoi tu rebosses là? Oh non. Enfin, Fifi en fait. Comment j'ai pas envie. Oh, je l'ai fait ce matin, Jessie. Ça y est, en fait, ce matin, je me suis déterre à remballer tout mon linge. Ça faisait un mois que mon linge, il traînait dans la corbeille à linge. De linge à ranger dans le placard. J'avais, je sais pas pourquoi, j'avais une flemme monstre et monumentale en fait de ranger mon linge. Et j'ai fini par le faire. Faut voir la tonne de linge que j'avais à ranger, tous les draps, les serviettes et tout, genre. Oh là là, laisse tomber quoi. Pourquoi les fleurs me donnent jamais les bonnes là quand elles poussent? C'est fou ça. Bon, mine de rien, ça pousse quand même ici. Hein. Ah.
Ah, merci Lolo, je savais plus à quelle heure on avait dit pour le live du 32 octobre 2036. Merci, j'avais zappé. C'est ça, ouais, c'est à 58h24, c'est ça, tout à fait. J'étais en train de réfléchir, en mode, purée, c'est à quelle heure déjà? Merci, heureusement que t'es mon cerveau, parce que franchement, j'oublie rien, je pense. On va remballer ça quand même, hop. Je viens de m'en rappeler en plus, ah, tu fais bien. Ah ouais, Jessie? Moi, je pense que les habitants, ils les arrosent en vrai, parce que... Je voulais mettre vraiment à midi pour que tout le monde soit dehors, ils sont tous chez eux à l'intérieur, c'est une vanne ou quoi? C'est marqué dans sur mon planning. Ah, merci, heureusement que t'étais là, parce que bon, franchement, j'ai galéré là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop les. Chez eux à l'intérieur. Bah ouais, normal quoi. Partez pas! Elles se séparent, non! Pas ça! Salut Oli! Salut Polo! J'espère que vous allez bien. T-shirt flamme. Non, ok, ça slay. Moi je veux bien. Mais elles vont vite, hein! Regardez comme elles cavalent, limite. Ah non, mais elle est adorable avec son petit. Oh, elle est trop belle! Merci Jenny pour le follow! Non, mais elle est adorable. Un mur à moulure verte, il a l'air horrible. Vous savez que tous les trucs là qu'il me donne, je les range dans mon entrepôt et je me dis à force ça va être vraiment blindé de trucs moches. Genre là, comme Zinzin, il est horriblement mal habillé. Genre, c'est franchement hyper terrible comment il est habillé comme ça. C'est horrible. Merci Coco, merci pour ton Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Salut Enero, salut à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci pour le Prime, c'est gentil. Il dit qu'il y a peut-être plus assez d'eau dans le condensateur. Oh non. Alors pas vraiment pour les photos de base, je veux juste vraiment bien augmenter mon amitié pour qu'il me donne des quêtes, tu sais, pour le 100%. Et vu qu'on fait de la déco sur cette île-ci, autant que j'en profite en même temps pour monter au max et après faire la déco, comme ça j'ai plus de chances d'avoir des trucs que si je laisse... Caro, me dis pas que... Mais comment ça se fait que Réna, elle est déjà là? Attendez, Caro, elle est où? Elle est là. C'est galère à aller trouver tout ça. Ouais, ça va, Oli. Écoute, j'ai pas encore fini avec le montage. Mais j'ai bien avancé. Donc je suis assez contente. J'ai très bien avancé. J'ai fini la grosse base de la vidéo, tu vois, tout est prêt, tout est monté, tout est bien mis, les effets de zoom, tout ça est bien mis. Maintenant, je me suis attaquée, là, il faut que je termine ça, je pense après le stream, je ferai ça. Je vais faire, tu sais, les détails, genre les images à mettre en avant. Enfin, j'en ai déjà fait beaucoup, hein, mais il m'en reste quelques-unes à faire. Je me suis noté les trucs que je devais faire dans mon petit carnet, genre j'ai noté les trucs, tu vois, j'ai déjà fait pas mal de corrections, il me reste deux trucs à faire. Faut que je mette les numérotations plus les titres de la sous-partie pour que vous soyez pas perdus, parce que c'est vrai que dans les 40 minutes c'est long. Il y a 42 minutes de vidéo. Mais honnêtement, je pense que cette vidéo elle peut vous plaire, parce qu'elle est vraiment intéressante, je trouve. Elle est intéressante. Ouais, c'est ça en soi, Zabo. C'est ça. On va aller voir là. On en a fait combien? 5? 4? Je sais plus. Si, on va le faire après, Mia, on va le faire après. Oh, pardon, il passe vraiment le move là. Salut Angel et salut Anne, j'espère que vous allez bien. Pierre tombale japonaise, bah ouais, tout le monde sait faire une pierre tombale japonaise. J'en peux plus qu'il me donne des plans que je connais déjà. Je suis sûre qu'il y a des plans que je connais pas du tout. Il doit y en avoir un ou deux que j'ai pas, tu vois, peut-être. Je suis sûre et... Je suis sûre qu'il me les manque et pourtant il me les donne jamais. J'accumule des plans, je sais même plus quoi en faire. Sa maison là, c'est pas moi qui l'ai fait pour ma défense parce qu'elle est vraiment moche. Ça aurait pu mais non. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir fait cette merde. Peut-être que c'est moi, mais je ne me rappelle pas. C'est vraiment pas beau en tout cas. Bye, my friend. Salut Karine, comment ça va? Altea, ouais, il faut que je fasse la visite. D'ailleurs, faudrait que je la tourne pour prochainement. Je me tâte à savoir si oui ou non
Il me reste quoi? En vrai, franchement, j'ai là, je regarde vite fait dans ma liste. J'ai une liste en fait des vidéos que je dois faire sur Altea. J'ai fait une page. Il me reste toute cette page à faire. Mais en fait, dans les vidéos, enfin dans les rediffs de ça. Alors déjà ça, je peux pas la faire. On avait dit que, enfin j'avais dit que je pouvais pas la faire parce que j'avais pas ce qu'il me fallait pour la faire en fait. Centre commercial, c'est la dernière qui est sortie. Il y aurait la boîte de nuit à faire, mais le reste, en vrai, port de pêche, rue centrale, hauteur de l'île, quartier résidentiel, etc. Il y a rien de transcendant en vrai, donc je pourrais tourner le truc de la boîte de nuit et après faire la vidéo, la dernière vidéo. Donc il me resterait plus qu'une comme ça, mais il faut que je la fasse demain matin si je la fais, parce que demain après, mais j'ai pas de contenu pour. J'ai pas de contenu, donc faudrait que je tourne. À moins que je tourne direct la visite ce soir, je sais pas. Je verrai. Toujours avec sa serviette, mais bien sûr. Attends, il la lâche plus, hein. C'est vraiment un accessoire de mode, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. J'ai fini ma deuxième journée de 8h. Je viens d'arriver pour commencer ma deuxième journée jusqu'à 23h. Ah, bon courage. Jusqu'à 23h, waouh. J'aurais pas la foi. Courage, courage. Hop, Philibert. Salut Anjou, désolé. Trop mime, par contre, la petite émote. Le petit lapinou, là. Adorable. Elle est adorable. Il nous en reste 4. Merci Héloïse et merci X pour le follow. Merci MC Sa. Merci Ashley aussi. Vas-y, ça marche, Tess. A plus. Désolée, hein, si je vous lis pas sur TikTok, je galère un peu déjà à me concentrer sur le jeu, plus à lire Twitch. Si jamais vous voulez absolument discuter, etc., n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans ma bio, si jamais vous avez mon nom à l'écran. Attends, j'ai pas vu dans ton anecdote. Attends, je remonte. La suite. Excuse-moi, Tess, hein, je suis désolée, purée, t'es vraiment pas sur le meilleur réseau pour que je puisse te lire. Pourtant, j'adore discuter avec toi. Alors. Putain, il y a plein de suites en plus. La vache, mais attends, mais t'as mis tellement. Attends, attendez, je veux la suite de l'histoire de Tess. Du coup, je veux sortir et je me casse la binette dans les escaliers. Tout le monde me regardait, j'étais en mode aidez-moi, à l'aide, j'ai mal. Là, un gars, genre hyper bégé, il m'aide à me relever. Je lui dis merci beaucoup, il me dit de rien. Du coup, je suis pas encore sortie du bus à ce moment-là, et là, t'as les gens à l'arrêt. Me saute dessus, j'arrivais pas à sortir, putain. Mais j'étais en mode, mais vous foutez de moi, je veux sortir, allô, laissez-moi partir de ce bus. Et personne ne veut me laisser partir, c'est terrible. Les mecs du bus sont gentils, elle a dit tous ceux qui sont là en plein milieu. Laissez sortir cette pauvre fille. Cette pauvre fille. Mais c'est bête, ils voulaient plus. Ils pouvaient ouvrir la deuxième porte, mais non, non, ils l'ouvrent pas. Du coup, je me dis, j'étais en colère, j'ai poussé tout le monde et je suis sortie du bus. J'ai marre, je vois deux chiens avec une dame assez âgée. Et comme j'ai peur des chiens, je vais sur le trottoir d'en face. Je pensais que c'était. Qu'ils étaient en laisse et tout, mais pas du tout. Et ils courent sur la route et ils me sautent dessus, je panique et je pars en courant. Mais c'est quoi cette histoire? La dame, elle essaie de récupérer les chiens, elle a réussi. Et moi, j'ai paniqué. Oh non! Ça, c'est horrible en vrai. C'est vrai que quand t'as peur des chiens et que t'as des gens qui baladent leurs animaux en laisse, bah. Ils te font peur des fois. Merci Sonia pour ton follow. Salut Miss Picato Toro, comment ça va? Je suis près de chez moi avec monsieur derrière moi. Il me dit, une demoiselle. Tu peux me montrer le chemin pour aller à la poste? J'ai peur de gagner. Ah ouais. Désolé, mais je vais partir. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Il me dit, ok, pas de soucis. Il me regarde. Hein. Je fais un side eye et je pars. Attends, c'est pas fini. Je ferai une histoire. Vraiment, je te jure, tu pourrais faire une fanfiction, enfin une fiction sur Wattpad carrément. Je mets la clé dans la porte d'entrée, je monte la première marche, je me latte la gueule en silencieux. Mais c'est quoi cette journée de merde, Tess, là? Il y avait aucun bruit, la clé du téléphone qui tombe, rien. Et je m'aide à m'enlever avec la barre d'escalier, je me relève, je rentre chez moi. C'est tout, voilà. Putain, mais c'était vraiment pas ta journée, hein. C'est trop. C'est trop. La pauvre.
Je me lève la gueule, elle a dit. J'étais à fond dedans, mais moi aussi j'adore. J'adore les anecdotes de Tess. Le pire, c'est lorsque personne se dit que son chien n'est pas méchant et commence à te grogner dessus. Ouais, bah après, grogner, ça veut pas dire qu'il est méchant non plus, mais. C'est vrai que vraiment, quand t'as peur des animaux, enfin, quand t'as peur des chiens, et que même tu croises un chien dans la rue comme ça, genre tu traverses pour justement ne pas être près de ce chien qui finalement il est pas en laisse et qui te court dessus, genre. C'est terrible. Ah, let's go, Sonia! Tu fais bien, tu fais bien. La pire, c'est lorsque la personne se dit ça j'ai lu. Et bisous à la Hawk, merci beaucoup d'être passé. Oh là, je fais Eric. Oh, slay, lolo, tu slay. La chance. Oh, salut Cube. Salut Cube, est-ce que tu peux te lever, mon petit Cube? Thank you so much. Oh, la chance, en vrai, lolo, moi j'ai rien pour l'instant. C'est Roulia qui a dit qu'elle était à fond dedans. Salut Didine. Bah, comme habitant, tu peux les voir quand je leur donne les cadeaux si jamais. Je saurais pas te les lister en entier, il y en a beaucoup. J'avoue, je me rappelle jamais qui j'ai ou pas. J'en oublie toujours un. Couscous, Moumoun. Couscous. Mais il y en a Marine là-bas. Marine, je l'ai donné ou pas? Je sais plus. Purée, Marine, t'es vraiment pensive aujourd'hui. Wesh, mâché, oui. Y'a pas à me parler comme ça, par contre. Elle est zinzine, celle-là. Il manque quelqu'un, je sais pas du tout qui c'est. C'est que Bibi qui débloque les projets. Je sais pas du tout pourquoi. Je vais rigoler, what the footest. Wesh, ça me tabasse de fou, elle a pas à dire wesh comme ça. C'est ouf, je trouve ça fou en vrai que Animal Crossing ils aient intégré ça, genre. Parce qu'à l'époque, par exemple, en 2005, quand ils ont fait Wild World. Ils ont inclus, pareil, des expressions de l'époque dedans. Mais tu sais, c'est des trucs en mode... qu'on utilisait en 2005, quoi. 2010, grand max. Et après, on a arrêté de parler comme ça. Et du coup, quand tu rejoues à ce genre de jeu maintenant, t'es là en mode... un peu cringe. Genre, ouais, comme Cassos, par exemple. Comme plein de trucs, genre Resetti disait Cassos à la fin de ses phrases. Qui t'a demandé, en fait? Mais j'ai jamais vraiment compris si c'était une vraie insulte de sa part ou pas. Ils diront slay. T'as fait ta place? Comment ça j'ai fait ma place? J'ai rien fait pour l'instant. Enfin j'ai rien fait, j'ai fait juste ce qu'il y a là. C'est qui me manque? Il me manque un habitant mais je sais pas c'est lequel. Ça fait pas chier. C'est Robert que j'ai pas vu? Je crois que c'est Robert que j'ai pas vu. Je ne sais pas où est Robert. Non, Cassos, c'était Resetti qui te disait ça. Il disait allez, ciao, Cassos, comme ça, il te disait un truc comme ça. Il n'y avait pas un oiseau qui. Si, si, c'était une neuneuse, cet enfoiré là. Il m'engueulait, il me disait que j'avais pas d'amis et tout. Il était là en mode ouais, t'as pas d'amis, c'est pas mon problème. Je suis en mode, oula, mais genre, va de mollo, t'étais à 8 ans, tu joues à Animal Crossing Gamecube, il te dit, t'as pas d'amis, bah c'est pas mon souci. Va voir ailleurs si j'y suis, arrête de me parler. Tu me cours sur le haricot, c'est que des trucs comme ça. Ils étaient trop méchants sur la Gamecube, je vous jure, ils étaient vraiment horribles, genre. J'avais une habitante, je crois que c'était Prune, je la déteste depuis. Elle faisait tout pour m'éviter, donc genre, dès que je m'approchais d'elle, un peu comme ça, genre imaginons, elle c'est le papillon là. Je faisais ça, elle partait en courant, genre. Mais genre, vraiment, elle était là. Comme ça, et elle partait en courant. Elle faisait des tours. Elle s'arrêtait, je m'approchais, elle repartait en courant. Genre, j'étais là en mode, mais wesh. Et à un moment donné, j'ai réussi à la choper. Et elle me dit, ah non, mais... c'est pas comme si je t'évitais. Enfin, attendez, faut que je vous retrouve le clip, parce que vraiment, genre... Ça m'avait choqué. J'étais là en mode, mais attends, mais t'es en train de me ghoster, là. C'était super vexant, genre. De ouf. Attendez, il faut que je le retrouve. On va le retrouver, je pense. Par catégorie, ça doit être Animal Crossing Gamecube. Animal Crossing. Attendez, je veux le retrouver.
ça, je crois. Attendez, je vous le mets, vous allez voir. Je vais vous le mettre sur l'écran. T'as pas des amis qui habitent ailleurs c'est qu'ici un peu fort. Mais c'est tu n'as pas d'amis du tout. Voilà, voilà, voilà ce qu'il me dit. Bah, écoutez, j'étais partie en PLS. Je vais me mettre en position fétale dans mon lit avec tartine et je vais pleurer. T'as pas des amis qui habitent ailleurs d'ici, tu n'as pas d'amis du tout. Regardez-le quand même. Vous voyez les dégâts qu'il fait, Nonneux, sur mon physique, sur ma santé mentale. Je suis vraiment en PLS dans le lit. Vous voyez ce qu'il fait, Nonneux? C'est terrible, ce clip est terrible. Vous avez vu ce qu'il fait sur ma santé mentale, Nonneux? C'est fou hein, qu'il fasse ce genre de choses. Et attendez, il y en avait d'autres, mais je les trouve pas. Je sais pas pourquoi je les vois pas. Il avait dit ça aussi. Et je sais pas ce que c'est, ça, parce que c'est écrit « Merci pour ce gentil mot, Nonneux », dans le titre du... C'est le pire du pire. Travaille un peu pour une fois, ça me fera des vacances. Il est horrible, genre. Abasourdi. Tout le temps comme ça. Il était terrible. Hein. Ça, c'était quoi? Attends, ça c'est drôle. Bon, faites gaffe parce que le son il est un peu fort. Je sais pas pourquoi j'avais mon micro si fort à l'époque là. C'était terrible. Pourquoi personne me disait que c'était de la merde la qualité? Une armoire verte par ici, c'est à toi? Oui, absolument. Arrête de mentir, c'est à moi! Je n'aurais jamais cru que tu mentirais effrontément, cric-crac. Merde, elle m'a eu. Je voulais mentir et tout, j'ai pas réussi. J'avais le seum. Attendez, il y a des clips de bagarre avec Nonneux, genre. Il y a des clips, je vous jure, ils sont random, genre, regardez. Ça, c'est Gamecube aussi, mais c'est pas celui que je cherchais, mais... Tu veux avoir mal, déjà, le monde... Pas, je suis sûre que tu voudrais pas me voir quand je suis en rogne, ouf. Moi, je te provoque, Nonneux, je te provoque. On te provoque, waouh. Qu'est-ce que tu veux exactement? Avoir mal? Tu veux avoir mal, c'est ça? C'est à moi! Il part en courant! Il voulait me tabasser, genre! Il voulait me tabasser! Waouh! Shema, elle avait fait un clip. Nene, la grosse folle, elle a mis. Attendez, un autre de Shema. Il m'avait sorti ça, genre, avoir mal? Mais c'est quoi son putain de problème à celui-là? Mon Gwen! Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Tu sais pas que je suis pressée? Je veux pas te parler, même pas te voir, je préfère pas que tu traînes dans mes pattes. C'était horrible, grosse genre. Folle, lui, grosse folle. Il était horrible. Tu devrais repenser à ce que tu as fait. Il est vraiment en colère. C'était vraiment terrible. Par contre, je sais plus c'était à combien d'années... Attendez, TikTok, je vous pousse là-bas. Je veux juste regarder, je veux juste retrouver le... J'ai pas le son de la Switch ici, je pensais. My bad. Attendez, je vous mets juste ça, 2 secondes. Je veux juste regarder... date de création... Il y a 3 ans. Je crois qu'on peut le retrouver. Je veux absolument retrouver le clip de la Zinzine qui me parle trop mal. Enfin, qui me ghostait, genre. Je crois que c'était genre en octobre, un truc comme ça qu'on avait rejoué, si je dis pas de conneries. J'ai beaucoup streamé quand même à cette période-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clips en vrai de la chaîne. C'est bien en vrai que vous ayez fait des clips parce que c'est le seul souvenir que j'ai de ce moment, enfin de ces moments-là. Donc heureusement qu'il y a vos clips qui existent parce que franchement, ce serait trop nul sans. J'ai des clips qui s'appellent Marwa Loud, frère. Un clip s'appelle Véronique fait un infarctus. Ah, c'est ça, je crois. Là, c'est ça. C'est moi qui ai créé le clip. Ah non, c'est sur Animal Crossing New Horizons. La catégorie est pas la bonne, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Je sais pas, Marwa Loud. Je sais pas pourquoi. Regardez. Ça, c'est la meuf que je vous disais qui me fuyait. Ah ! La prune ! Je suis un peu speed, là. Je peux pas trop te parler en souvent. Dis un. Et regardez comment elle partait en courant. Eh ben, Gwen! Ah, je suis super charrette! Faut vraiment que j'y aille, dis, hein! Alors, à plus tard! Regardez comment elle part en courant, genre, elle faisait que ça!
Ah merci Shaima, c'est celui d'après. Elle me fuit, genre je pue ou quoi? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu cours? À chaque fois que je m'approchais, elle courait. Elle s'en allait. Prune. Elle me fuyait, genre regardez, elle me fuyait comme la peste. Genre. Pourquoi tu cours? C'est fou en vrai. C'est fou d'agir de la sorte. Elle fait pleurer de rire la bitch. Cours pas. Ah, c'était terrible hein. Elle fait pleurer. Mais elle te fuit bébé, elle me fuit. Elle me fuit comme la peste. Elle est où? Grosse folle, tu es où? Attendez, j'ai le clip d'après. Elle est où la grosse folle? Je veux la suivre jusqu'à sa mort. Grosse folle. Reviens ici, grosse elle folle. A... Mais elle me fuyait pour de vrai, genre. Elle me fuyait premier degré. Regardez, elle me voyait. Ah ah. Et puis elle partait, genre. C'était excessif comme comportement. De m'éviter, dis-en. À partir de maintenant, je te promets de ne plus t'éviter. Alors n'hésite pas à revenir me parler, ok? Attends, là, mais... je comprends, elle m'évitait pour de vrai, genre. Elle faisait exprès, là. Elle vient d'avouer qu'elle faisait exprès de me fuir. Le soleil s'est couché, non? Dis un. Dis, Gwen. Que veux-tu? Dis un. Elle vient d'avouer littéralement qu'elle me fuyait, genre. C'était terrible. Eh, regardez, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai tellement. Regardez ça. Clip suivant. Vous allez être abasourdi également. Ça, c'est Neneu. Quoi? Mais quel enfoiré! Il me dit, je crois que je t'avais zappé de ma mémoire. Bon, c'est pas une grande perte. Mais pardon, c'était vraiment une autre époque. Genre, les habitants ne diraient jamais ça. Maintenant, ils sont là. Ah, oh, tu m'as trop manqué, ma petite loupinette. Genre, vraiment, celui-ci aussi, il est un peu drôle. Et toi, face de flaque, tu penses que ça va se laver ou pas? Je le prends très mal. Face de flaque. Et toi, face de flaque? Ces insultes comme ça, mais vraiment, allez, un petit dernier. C'est le dernier de la liste. Ça, écoute, ça serait gentil de ne pas me hurler dans les oreilles comme ça, espèce de nounos. Vous avez vu comme ils étaient trop méchants? Je savais même plus comment réagir avant. Je dis, il m'insulte ouvertement devant tout le monde, je ne sais plus quoi faire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Genre, il est là, il m'insulte, bah insulte-moi, tu vois. Alors, c'était vraiment un autre monde, ces clips-là, je vous jure, je... C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Mais c'était quand même des moments qui étaient sympas. Parce que je découvrais en fait la méchanceté de certains habitants. J'avais jamais joué à ce jeu-là. Et du coup, j'ai découvert le jeu avec ça. Comme ça, genre, c'était un peu terrible. Il a appris à être méchant à tout le monde, mais vraiment. En fait, c'est resetier. T'es ouf. C'est fou en vrai, hein, je trouve, hein. Ah, de fou, mais en vrai, moi, vous voyez ce que je disais. Et merci, Shangana. Merci pour ton follow. Ce que je disais, genre, il n'y a pas très longtemps, on en discutait. Et bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok, j'espère que vous allez bien. On en discutait il n'y a pas si longtemps de ça, et je disais que. Ah, bah, il est là, parfait. Que, genre, il y avait vraiment certains habitants dans certains opus qui étaient vraiment premier degré méchants et qui avaient vraiment un caractère, tu vois. En fait, il y a un truc que je trouve trop dommage, c'est qu'ils aient vraiment adouci les habitants au possible, tu vois, genre Animal Crossing GameCube, ça se voit qu'il n'ait pas été pensé pour les enfants. Ils parlent tellement mal, c'est tellement de la méchanceté gratuite que c'est pas fait pour les enfants, tu vois. Ou alors, enfin, tu te faisais genre... Enfin, c'était terrible, quoi. Pull usé à la corde, c'est quoi ce truc? En vrai, il est pas moche, ça passe, ça se l'est, hein. Mais enfin, c'était vraiment un monde et je regrette, moi, cette période-là, à la fois parce que bah, les habitants, ils avaient vraiment un caractère, tu vois. Genre, certes, là, par exemple, Neneu et Octave, ils avaient à peu près le même caractère et tout, parce qu'ils étaient du même... Ils étaient versatiles, je crois, tous les deux. Mais ils avaient vraiment de la discussion. Ils avaient, j'ai l'impression, beaucoup plus de discussions qu'ils ont maintenant, alors que ce soit des discussions qui sont méchantes ou pas. Les habitants avaient du répondant, ils avaient un caractère. Alors que là, bah, plus du tout. Et je trouve ça trop triste, quoi, qu'ils aient abandonné ça. Même sur ASNL, ils sont mauvais, je trouve. En vrai, sur ASNL, ça allait encore, je trouve. Ils avaient du répondant, mais ça allait, tu vois. Alors que là, vraiment, premier degré, on se fait chier, quoi. Sur ce système-là de discussion avec les habitants, on se fait chier, quoi. En fait, il se passe vraiment rien du tout, du coup. Salut Oxy, comment ça va? C'est nul, quoi, qu'il se passe rien comme ça. À quand un nouveau best-of? Enfin, je sais pas d'ici... Faudrait, mais je sais même plus à combien de temps ça remonte, tous les clips qui ont été faits là.
Faudrait que je regarde. En fait, les clips, on les a tous mis sur TikTok et tout, mais j'avoue qu'un best-of sur YouTube, ce serait pas trop mal. J'avoue. Ça fait si longtemps. Je vais noter cette idée, Jessie. En vrai, c'est facile à faire, juste à télécharger tout, je mets tout à la ligne et je me fais un petit montage léger de... Enfin, léger, je fais un petit montage rapide de chacun des clips, ça devrait le faire, en vrai. Je vais me noter de faire un best-of. Ça prend pas tant de temps que ça en vrai, puis c'est marrant à faire, je trouve. Tu revois tout et tout, tu vois comment ça évolue. Vidéo best of Twitch. Je vais en avoir beaucoup, hein. À tout moment, ça va durer genre plein de temps, vraiment beaucoup de temps. À tout moment, je peux en faire 50 des best of Twitch. Si tu devais choisir un opus préféré, tu dirais lequel? En vrai, franchement, mon top, ce serait ACNL, ACNH. J'hésite entre Gamecube... Ouais, en vrai, Gamecube, Let's Go to the City et Wild World. Si je devais faire mon top... En fait, chaque opus, j'en préfère un pour chaque point, sauf Wild World. Genre, Wild World... cet opus, je le trouve rien de bien. Vraiment, rien. Rien de bien. Je trouve que ce jeu, c'est le plus loupé de tous. Pour moi, ACNL a tellement de points positifs. ACNH en a énormément également. Mais ça, c'est dans la vidéo de dimanche que je vous en parle, si jamais. Mais c'était Marie, à bientôt. Merci Marie, on ne savait pas. Mais en vrai, tu vois, par exemple, bah là, Gamecube, Gamecube, tu avais un point monstre sur. Enfin, si tu peux, genre. Dire que Gamecube est bien, c'est vraiment par rapport à tous les événements qu'on a pu dans le jeu, qu'ils n'ont pas remis. Il y avait tellement d'événements, toutes les semaines il y avait un événement dans le jeu, enfin c'était cool. Ça pouvait être tout et n'importe quoi les événements, mais au moins il y avait des événements. Il y avait quoi? Il y avait... Mais j'ai même pas arrosé mes fleurs, ça pousse tout seul, ça c'est vraiment un banger. Ça pousse tout seul, les habitants là. Coucou Linux, coucou Lil. Lil ou Lily? Non, c'est Lil Rainbow. Merci Alcan pour ton follow, j'adore ce pseudo, trop cool. Et t'avais vraiment des événements, t'avais les personnalités des habitants. Enfin, t'avais vraiment plein de trucs en vrai qui étaient super cool sur Gamecube en vrai. Mais après, qui ont complètement été paumés par la suite. Hein. L'arrêté charme qui fait pousser les fleurs. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Puis le matelot. Linu. On dirait le nom d'Antomodachi quand il est prononcé comme ça. Nougat. J'avais zappé. Qui m'appelait comme ça. Tiens, c'est de notre coco, je crois. Avec sa couche, là, il a vraiment une couche, quoi. C'est terrible d'avoir une couche comme ça, Joseph. Tu te trimbales en couche. Non, en vrai, il est trop mimi. On dirait vraiment le petit coin-coin jaune que tu mets dans le bain de tes enfants, genre. Trop mims. Il y avait Robert là-haut, on va aller voir. Je pensais qu'il y avait quelqu'un sur la place, mais même pas. Caro, on vient de lui donner ou pas? Robert, il veut vraiment que prouver, là, avec son alter au milieu du chemin, comme ça. On a donné un carreau ou pas? J'ai vraiment pas fait attention. Salut Stitch, salut Faustine, salut Bill. Oh, j'ai la photo de Robert! Cool, on est en amitié maximale avec Robert. Trop cool! Ça slay. Carreau, je t'ai donné ou pas? Je me rappelle déjà plus, je crois que oui. Ok, je t'ai donné. Slay! Donc c'est Robert qui nous donne en premier sa photo. Ok, ok, bon, je m'attendais pas à ce que ce soit Robert en premier, je vous cache pas, mais... D'accord. On slay. Pourquoi leur donner des cadeaux? Bah voilà, la réponse, elle vient d'être dite, Ambre, du coup. Hop. Merci Nico, merci, merci. C'est quoi le craft? J'ai pas regardé ce qu'elle m'a dit. Toujours un feeling avec les chats. Hein. Et Robert en plus, hein, qui est plus, c'est pas n'importe qui. Hein. Ça te ferait plaisir. Pourtant, je pense avoir un même niveau d'amitié un peu avec chacun en vrai. Hein. Ouais, Anaï. Hein. C'est ouf en vrai. C'est ouf. Je veux une île remplie de chats. En vrai, c'est faisable. Hein. Salopette de ferme, ok. Ah, mais il est adorable, Apache, vraiment, je l'adore. Franchement, c'est le plus beau des éléphants, honnêtement. C'est quoi ce plan? Sandwich aux fruits. Je connais déjà. Et c'est quoi ce cadeau? Statue majestueuse. Oh, il me donne des statues. Slay.
Ça y est, Pachi a une tenue convenable. Pourquoi d'habitude tu le juges sur sa tenue? Je comprends pas. Il a une tenue qui est correcte pourtant. Une fois sur quatre, mais... Voilà. Philibert. Philibert, il veut prouver, mais pas trop. Genre, il prouve, mais que à la mer, lui. Non, j'ai rien dit. Quelqu'un veut Enzo? Non, t'inquiète. Tu peux le garder. On te le laisse. Alors, je pense que Philibert... c'était qui qu'on avait eu en dernier? Philibert... Mais comment ça, Robert, il est là et j'ai sa photo alors qu'il y a tout ça avant et j'ai pas leur photo? Genre, Réna, pitié, ça fait tellement longtemps que je suis pote avec elle. Vous vous souvenez de ce que j'ai offert à Robert? Est-ce que c'était genre des noix de coco ou si c'était un dinosaure? Je me rappelle plus ce que je lui ai offert. Bisous, Maëvou, merci beaucoup d'être passé. Des bisous, bonne soirée à toi. Il est 18h en vrai, hein. Ça passe vite le temps là. Ça passe vite, ça passe vite. Je vais pas partir, je lui parle jamais. Faut que tu le parles. Faut que tu lui parles pour qu'il s'en aille, sinon il voudra pas partir. Les habitants qui demandent le plus à partir sont ceux avec qui vous avez un meilleur score d'amitié. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été comme ça depuis 4 ans. Les habitants qui veulent le plus partir, genre, l'habitant qui a le plus voulu partir, c'est Cédric. Alors que Cédric, c'est vraiment l'habitant genre phare. Et l'habitant qui, avec qui j'ai toujours parlé tous les jours, avec qui j'ai toujours, enfin, à qui j'ai toujours offert des cadeaux tous les jours et tout. Hein. Et Cédric a voulu partir. Mais plus qu'une fois, genre il veut tout le temps partir. Et il voulait tout le temps partir. Bah ouais, Luan. C'est pas parce que t'ignores un habitant qui va partir, hein. Au contraire. Au contraire. En vrai, c'est un peu con parce que bah. Oui, en soi, tu. Enfin. Dans la vraie vie, t'ignores quelqu'un, bah il va vouloir partir, tu vois. Mais là, dans le jeu, hello. Ça marche pas, ça, Luan. Se plaindre à l'habitant, en fait, ça fait juste descendre le niveau d'amitié. Ça fonctionne pas. Taper sur la tête d'un habitant. Tout ça, ça fonctionne pas, hein. C'est des rumeurs urbaines qui marchent pas du tout, hein. J'ai fait une vidéo sur comment faire partir un habitant qui explique tout ce qu'il faut pas, enfin tout ce qui marche pas et ce qui fonctionne et tout. Ah, photo de Réna, let's go. On a deux photos aujourd'hui. Je suis contente. Trop cool, on a deux photos, c'est trop bien ça, ça slay. Je sais pas pourquoi, enfin les photos ça nous sert pas à grand chose, hein, j'ai l'impression. Enfin, ça, j'ai l'impression. On va pas s'en servir énormément, mais... Ouais, j'aime trop la maison de Réna. C'est ma préférée, franchement. Dans les rénovations, j'ai adoré faire cette maison-là. Honnêtement. T'as combien d'îles depuis la sortie du jeu? Oula, vraiment beaucoup, en vrai. J'en ai fait... J'aurais même pu te compter tellement j'en ai fait. Et à un moment donné où j'arrivais encore à les compter, mais j'en ai tellement fait. J'en ai fait peut-être une vingtaine, honnêtement. Des complètes. J'en ai vraiment fait beaucoup. J'ai déjà fait... En fait, j'ai fait Akomun 4 versions, donc 4 saisons. Donc j'ai fait 4 thèmes. Après, j'ai fait... Sunka Rio. Sunka Rose. Sunka Horror. Entre temps, j'ai fait... Akomun... Égypte en 2021, Akomun Atlantide, Loïsae, P10, j'en ai fait beaucoup, je sais même plus ce que j'ai fait, j'en ai tellement fait que je sais plus compter. On a fait Altea en deux versions aussi, on a fait 12 thèmes, plus j'en ai tellement fait, je sais même plus franchement. Salut Elodie, merci pour ton follow. Je sais pas qui me manque aujourd'hui. Je vais essayer de faire le tour sur les plages. Merci pour le à boire. Ouais, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai. J'ai fait... Alors, on est à 12. J'ai fait Akomun 2.0, Akomun Cuba...
J'avais fait quoi entre Akumon 2.0 et Cuba? Bah j'avais fait le thème Kidcore que j'avais pas fini, ça m'en fait 15. Ouais Loïs, ça y est, je l'ai compté. Franchement je sais, j'en ai tellement fait que j'ai assez plus que j'ai fait. Faudrait que je refasse une chronologie de toutes les îles que j'ai faites. Toutes les versions d'îles que j'ai faites. En vrai. Ouais, Atlantide, je l'ai compté aussi. On avait quand même fait l'Atlantide, hein. C'est énorme de faire ça, je trouve. Enfin, c'est fou en vrai de faire l'Atlantide. Je sais pas pourquoi j'avais eu ça dans la tête, fallait absolument que je fasse l'Atlantide. J'étais vraiment omnubilée par ça, genre, pendant une période. J'ai des périodes comme ça où je suis omnubilée par un truc, il faut absolument que je le mette sur papier et que je fasse quelque chose de ce que j'ai dans la tête, sinon j'arrive pas à me le sortir. Donc là, faire une île, ça m'a permis vraiment de me sortir l'Atlantide de la tête, mais je sais pas pourquoi j'étais omnubilée par l'Atlantide, genre. C'était... je ne sais pas, mais bon. Bon app, j'ai Canary. Ah oui, en effet, 18h, ouais. Oh, c'est à fond, vraiment, genre. Fais-toi plaisir. Je ne sais pas où sont les deux derniers. Je sais pas qui me manque. Marine, on l'a faite. Rena, on a fait. Je sais plus, on va essayer de voir dans les bâtiments. Je sais plus qui j'ai fait ou pas. Marine, on l'a faite, je crois. On vient de la faire, non? Je cours dessus. Ok, non, c'est bon. Relolo! Hop! On va aller voir dans les boutiques parce que j'ai un giga doute. Hop! J'ai quand même deux photos, hein. Ça slay un max en vrai. Je pourrais les poser à un endroit. Oh non, la petite cagoule de Diablotin, elle est trop mignonne. Je l'achète. Merci Kla, merci Axel, merci Yasmine pour le follow. Elle est mimi en vrai. C'est quel buisson que tu as? Je crois que j'ai un petit peu de tout, Luan. Je crois que j'ai des frangipaniers, des azalées, hortensias, osmanthus peut-être aussi. J'ai pas de houx ni de camélia par contre. Là je crois que c'est que des azalées que j'ai là. Ah non, j'ai un frangipanier ici. Là je crois. Et tout ça c'est des azalées. Merci Noélie pour ton follow et bienvenue. Et je vais aller voir dans la boutique Nook. Hop. J'espère qu'il y a des habitants parce que je sais pas où ils sont, sinon faudrait que j'aille dans le musée. J'ai vraiment la flemme d'aller dans le musée. Pas d'y aller. J'aurais plus à manger. Bah alors? Comment ça t'arrives plus à manger? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est dimanche. Zuber. T'inquiète. Oula, ça grésille, c'est vrai? Ah. Vous me dites quand c'est bon. Là c'est bon, ok. Parce que quand je tire trop sur le cap, je crois qu'il aime pas. My bad. Vous me dites hein, si ça regrésit. Ça arrive des fois, mon câble il a un problème alors qu'il est neuf, hein, littéralement. Qu'il est neuf et qu'il m'a coûté 20 balles. J'en ai marre des trucs comme ça, t'achètes des trucs et ils marchent pas. Bon, Robert, on l'a fait. C'est juste un instant, ok. C'est parce que j'ai tiré dessus, je pense. Ça a dû un petit peu faire un faux contact et... Bon, c'est pas très grave, tant que c'est revenu dans l'ordre, tout va bien. Mais regardez-le, lui, il est trop mousse. On va aller faire un tour au musée parce qu'il m'en reste deux et je sais pas où ils sont. On va récupérer les fleurs là aussi qu'on poussait. Non, j'ai zéro arbre à fruits, ouais. J'en ai pas un seul, j'avoue. En fait, j'ai que des feuillus. Et honnêtement, je ne sais pas si je mets des arbres fruitiers sur l'île ou pas. Pour l'instant, je suis dubitative. Est-ce que je vais parler à Joseph? Oui. Je sais plus qui je fais ou quoi. En vrai, ça gâche un peu la vibe des fois. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, c'est pour ça que là, en fait, tu vois,
Enfin, tu vois, je dis comme si je parlais qu'à toi. En fait, là, vous voyez, j'ai voulu vraiment donner cet aspect coloré avec les arbres roses. Et justement, je voulais que le vert, ce soit juste le vert clair. Oh, mignon. Le vert clair des bambous et le vert foncé des cèdres. Je mets jamais de fruits, perso. C'est vrai, Jessie ? Quelques cerisiers. En vrai, ça pourrait le faire, Miss. Ça pourrait être Mimi, ouais. Après, tu vois, j'ai peur que si je mets des cerisiers, du coup, ça coupe la couleur rose. Par exemple, imaginons, je sais pas, je mets genre un cerisier ici à la place du feuillu. Est-ce que ça va pas faire trop vert, tu sais ? En vrai, ça pourrait le faire. Faudrait que je vois où on en met, si on en met, tu vois. Faudrait que je vois où les mettre. Bon, on a fait zinzin. On a quand même la photo de Rena et la photo de Robert, hein. C'est cool. Si jamais Elodie t'as besoin de conseils pour ACNH quand tu vas commencer, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en vrai là j'aurais trop de trucs à te dire pour le début, mais je pense que c'est bien que tu découvres par toi-même le jeu, parce que sinon j'ai peur de gâcher ton expérience, tu vois. Parce que le début du jeu, il est vraiment vraiment incroyable. Quand tu prends en main le jeu, moi j'avais kiffé. Donc profite vraiment avant de regarder les tutos, etc. Regarde que si tu te sens vraiment vraiment bloqué, mais profite vraiment vraiment bien du début parce qu'il est super cool, quoi. Je donnerais tout honnêtement pour rejouer comme j'ai joué au tout début, parce que c'était la meilleure période, hein. Je vous avoue que Cube, il a un bandana de gangster au grave. Ça y est, ils se prêtent tous leurs petits bandanas de gangster. C'est terrible, hein. Mais si je peux te donner ne serait-ce qu'un seul conseil, c'est au début du jeu de récolter bien tous les matériaux. Voilà. Que tu peux, genre sur les arbres ou sur les cailloux. Si je peux donner un conseil sans spoiler, ce serait ça. Je pense. Non, du tout, le farmer. En fait, j'ai pas vraiment de plan deal. Je vous avoue que je fais vraiment tout au feeling. Par contre, faudrait que je regarde vite fait quelque chose qui m'avait un peu inspirée. Hier, je suis allée un peu sur Pinterest et je suis tombée sur des formations assez sympas au niveau de certains endroits de l'île, et je l'avais enregistré dans mon tableau, je crois. Coucou. Ça, c'est bien dit. This is new. Mon visage est pire en pire. That should be. Francfort pour le monde. Life is easy to wear a smile. Je suis vraiment boulot. You saw yourself. Don't ever change your style. Pour voir toi. I am moi. Will believe. Coucou. This is nous. Je l'ai pas enregistré. La chérie. Dommage. Francfort pour le monde. En fait, j'avais vu un truc en mode... Tant pis. J'avais vu un truc en... Cette mime, ce qu'on vous dansait. En mode petit jardin d'habitants, mais en hauteur avec une rampe. Enfin, c'était assez sympa. En fait, t'avais vraiment un jardin. Enfin, t'avais une maison d'habitants. À côté, t'avais genre une rampe qui montait et c'était la rue, en fait, la rampe. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça faisait un peu en mode escalier dans des petites ruelles à Tokyo et tout. Enfin, c'était un peu sympa. J'ai tellement de trucs. Venez, on se fait un relooking complet. Et j'ai envie de changement pour ce personnage. Et j'y pensais tout à l'heure quand j'étais en train de rush des... Enfin, de tourner pour certains points où il fallait que je parle de l'apparence physique dans le jeu sur ma vidéo de dimanche qui sort dimanche, là. De dimanche qui sort dimanche, en effet. Et je me suis dit, il faut vraiment que je change ma dégaine, parce que ça fait genre des mois et des mois que j'ai la même dégaine, la même coupe de cheveux. Encore, la coupe de cheveux, elle est belle, donc bon. J'aimerais vraiment changer la dégaine de mon perso. Donc un petit relooking s'impose. On va changer la couleur de cheveux. Je voulais mettre les cheveux roses, en vrai. J'aime beaucoup la couleur rose. J'aime beaucoup aussi la couleur bleu-gris. Mais c'est tellement pas moi. On va monter. On va déjà faire le faciès et après on va faire la tenue. Je disais que non, le farmer. Je faisais pas de plan particulier pour... Pour l'île, en fait, ça vient vraiment de ma tête à chaque fois et c'est quand je suis inspirée, tu vois. Déjà, j'étais avec cette couleur de peau, je crois. Donc tout à l'heure, je suis repassée en blanc.
Je vais même mettre... Quoique, ouais, ça va en vrai. Au niveau de la coupe, j'adore vraiment le rose. Il est super beau, quoi. J'aime aussi beaucoup ce bleu-là. Je le trouve trop, trop beau. Mais ça me correspond pas trop, je trouve. Ce violet est joli aussi, mais il est un peu trop rosé, je pense. Il aurait été plus joli en lilas. Mais j'aime bien. Mais je veux... On va tester le rose. Les yeux, je les ai changés tout à l'heure. J'avais cette couleur-là, mais en fait, je sais pas pourquoi j'avais pas mis ça. Oh, ça fait trop peur, c'est horrible, avec les yeux de couleur comme ça. Ça change de fou, hein. Les yeux foncés purés, c'est trop joli en vrai. Les yeux noirs, je mets jamais sur mes persos. J'adore ces yeux, moi, je les aime bien en vrai. Ça, je peux pas, parce que tout le monde les a, ça me saoule. Ça, il y a des petits sourcils. Je l'ai mis, je crois, que sur Ruby, ces yeux-là. C'est vraiment la même chose, mais à l'envers, c'est terrible. Ceux-là, ça me fait vraiment penser aux yeux qu'on avait sur... Mais ça fait peur un peu. Attendez, je me cache pour que vous puissiez bien voir. Ça me fait penser aux yeux qu'on avait sur... Sur New Leaf. Oh non, mais adorable. En vrai, c'est très mignon, quoi. Je vais me remettre en bleu. C'est très mimes, mais tu sais, ça fait peur en vrai. Tu sais, t'as l'impression qu'elle est vide du regard, là, j'ai l'impression. Voli, coucou! Là, je me suis fait ma rave, et là, ça va. Là, ma rave, là, ça va. Y a pas à avoir les yeux fatigués comme ça. Ceux-là, en vrai, ça va, ils sont mimes. Ces yeux-là, c'est ok, je trouve. Mais alors, ceux-là, oh, ils sont terribles. Cela, j'aime bien la forme, mais je n'aime pas du tout le fait qu'il n'y ait pas de blanc d'œil, en fait. Genre là, t'as vraiment... T'as pas de blanc d'œil, du coup, ça me stresse de ouf. Ceux-là, ils me font trop peur. Il manque un blanc d'œil, en fait, ici. C'est trop bizarre, je trouve, comme ça. Et t'as l'impression qu'elle regarde sur le côté, non? Elle fait trop peur, je vous jure. Plus je la regarde, plus j'ai peur. Ça, je peux plus me le voir non plus. Ça, j'en ai ras le cul aussi. Il n'y a que ça, tout le monde met ceux-là. Ou ceux-là. Ceux-là, ils me font trop peur. Ceux-là, ils sont vides. Genre, pourquoi ils ont fait ça comme yeux? Pourquoi ils ont fait des yeux aussi vides? Là, j'ai l'air bête, genre. Personne a l'air bête. Ça, il y a ça, mais ça fait trop poupée. Ceux-là, ils sont mimi aussi, je trouve. Mais il n'y a pas de cils, du coup, ça m'angoisse. Du coup, je vais rester sur mes yeux, là. Je les aime bien. Et le nez, je voulais mettre ça. J'en ai marre en fait des nez ronds et tout, genre. Venez, on rechange, on remet tous un nez comme ça. Et on va mettre le rosé ici. Et la coupe de cheveux en vrai, celle-ci je l'aime bien aussi. Quand mon personnage bouge, regardez le chignon, comment il fait boup 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 boup. Ça me tue vraiment le mouvement des cheveux. Celle-là, les mimes comme tout, cette coupe de cheveux aussi, je l'aimais bien. Celle-là, je la déteste. Je la trouve vraiment plate, on dirait vraiment t'es chauve et tout. C'est... Bof. Celle-là, c'était ma coupe du début du jeu. Je l'ai vraiment trop mise, je peux plus la voir. Et puis j'ai vraiment les cheveux très longs, quoi. Mais je l'avais mis au début du jeu, je l'aimais trop, cette coupe de cheveux. Celle-là, elle est très belle aussi, je l'aime bien, cette coupe de cheveux-là. Celle-là, bah, c'est vraiment la classique au classique. Elle est très jolie, celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien aussi, elle est mignonne, mais un peu la flemme. Je suis jamais satisfaite des coupes de cheveux. Genre pareil, les cheveux longs, ça... Je sais pas, genre la mèche devant, hein, elle me saoule. Go remettre ça. Celle-là, je la comprendrai jamais, cette coupe. Hein. Par contre, honnêtement, ils l'auraient pas remise. Ils auraient pas remis cette coupe-là de cheveux. Je pense que j'aurais porté plainte contre le jeu, vraiment. Ça, si tu mets pas ça dans un jeu Animal Crossing, c'est pas Animal Crossing. Voilà. Il y a les deux coupes de base, c'est parfait. C'est Animal Crossing. Celle-là, par contre, elle est... C'est quelque chose, hein. Ça, on dirait tu t'appelles... Enfin, genre, t'es un monarque, un peu. Genre, faut avoir les cheveux noirs, comme ça. On dirait tu fais du piano, tu vas au catéchisme et tout, genre. On dirait vraiment un... Les coiffures d'enfants riches, quoi. Ça me tue de rire. Celle-là, elle est un peu marrante. Vraiment, on dirait une glace. Ça me fait un peu rire. Celle-là, elle est jolie aussi. Je l'aime bien, cette coupe de cheveux. Elle est sympa pour les mecs. Celle-là aussi, je l'aimais bien au début. Celle-là, c'est vraiment Son Goku. Celle-là, elle est stylée en vrai. Je l'aime bien aussi, celle-ci.
ça pareil que l'autre. C'est vraiment genre une autre coiffure, mais je fais du piano. Je m'appelle Dimitri. Voilà. Celle-là, elle, j'aime pas trop. J'avais oublié. Putain, c'est vraiment un bol. Celle-là, elle est bien. Bon, elle est classique, mais elle est cool, celle-ci, je l'aime bien. Mode Rockly. C'est ouf un peu. Celle-là, je l'aime bien aussi, elle est cool. Ah, celle-là, elle est slide de ouf en vrai. Elle est giga stylée en vrai, l'afro, là, j'adore. Pourquoi vous voyez bien mon perso? Celle-là, je l'adore aussi, elle est trop bien cette coupe de cheveux. Si jamais, je pense que je vais partir sur ça. Non, en vrai, le perso, il a une tête vraiment hyper ronde, genre. Celle-là, elle me fait peur comme coupe de cheveux. Celle-là, elle slay aussi, hein. Je l'adore, celle-ci, hein. Elle est vraiment belle. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi, les coupes afro. Celle-là, j'ai du mal. Parce que, vous voyez, derrière les mèches, elles tombent pas nettes, genre, elles suivent le cou, et après, elles font un petit... Roup. Le chapeau avec l'afro. Oh, putain. Ah ouais, ça change. Ah ouais. C'est pas ce à quoi je m'attendais, je vous cache pas. Et celle-là, là, pareil. Ah ouais, c'est... je m'attendais pas à ça. Bon, en soi, c'est un peu logique, hein. C'était une afro, tu mets un chapeau, ça fait ça, hein. En soi. Mais celle-ci, j'aime bien la frange, mais je sais pas, j'ai un problème avec cette coupe. Mais pourtant, elle est pas moche, hein, mais... Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle me fait un peu de peine, parce que c'est vraiment pour marquer le début de la calvitie, quoi. C'est un peu terrible, et celle-là, bon, évidemment... Écoutez, je pense qu'on va garder ça. Je sais pas pourquoi je tergiverse, alors que vraiment... On va rester sur ça. Et au niveau de la peau, voilà. Ça, c'est plus... ça va plus avec ma teinte de peau, je pense. Je suis Shrek, en fait. C'est, ça, c'est un truc, un sujet dans lequel... Enfin, on m'a déjà parlé en stream, et j'en ai parlé dans ma vidéo qui sort dimanche aussi. Est-ce que vous vous rendez compte le temps qu'ils ont mis avant d'inclure la couleur de peau noire dans le jeu ? Qu'on puisse choisir la couleur de peau des personnages. Il y aura fallu 5 opus de la licence pour qu'ils incluent la couleur de peau noire. 5 opus. 5. C'est ouf, hein, putain. Crucifix, je prenais pas, bah de fou. T'es là, tu joues Animal Crossing, tu peux pas choisir la couleur de peau, t'es noir, tu te retrouves avec un personnage blanc, il te représente pas du tout, tu vois. Enfin, tu peux pas t'identifier à lui. C'est vraiment un move de merde, je trouve. Sur ACNL, il te faisait bronzer quand t'allais sur l'île Tortimer. Ça partait au bout de quelques jours, c'était vraiment terrible. C'est un peu long, et c'est super long, vraiment, c'est super super long. J'ai tellement de tenues horribles là, maintenant, dans cette armoire, à force de récupérer tous les trucs des habitants. Genre ça, là, j'ai un collant intégral, est-ce que je m'en servirais? Vraiment pas, hein. J'ai des trucs comme ça, costume de bélier en bleu et tout, mais... Ah, voilà, je pense qu'on est pas mal, là. Oh, ça, c'est Mims, en vrai. Elles sont mignonnes, celles-ci. Collant intégral, t'aimes pas? Moi, j'adore. Ça, c'est Mimi, mais c'est un peu trop bleuté, ça me fait un peu chier. Et j'adore celle-ci. J'adore cette robe. Je veux dire, t'habiller identique, elle me dit, ah, j'en ai 50 000, hein. Ils m'en donnent tout le temps. J'ai les mêmes en double. J'ai tout en quadruple. Dans Pokémon, t'as pu choisir la couleur de ta peau qu'à partir de XY. C'est ouf, hein. Alors ça, vous me direz, ouais, mais c'est parce que c'est des jeux japonais, patati patata. Au Japon aussi, il y a des personnes qui sont noires, hein. C'est pas parce que... Il y en a vraiment, c'est grave une excuse selon eux, hein, mais c'est parce que c'est fait au Japon. Bah, fait au Japon ou pas, il y a quand même des personnes noires au Japon, genre. C'est pas une excuse valable. Ça, j'adore cette cagoule, là. Elle est trop mime, mais on voit pas les cheveux, ça me saoule.
Ça pareil, c'est chiant. Oh, par contre, ça met la frange. Ah, t'es obligé de l'avoir en jaune, celle-ci ? Oh non, déçu. Elle est trop mimi, mais vas-y, les petits pics devant, là. Ça, c'est non. Eh, je la trouve horrible, cette perruque. La frange. Oh, le machin, c'est un bloc. Je suis trop dégoûtée. Cléopâtre en cheveux roses, comme ça. Une serviette de bain, sinon. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est pas bête. C'est une bonne idée, je dirais même. Il faudrait que je me trouve un petit chapeau. Ça, c'est chiant, parce que regardez, la Jacinthe, elle dépasse de fou du crâne. Alors que ça, elle est vraiment bien aplatie dessus. Sympa, la petite chrysanthème dans les cheveux. Celle-là, elle est mignonne. Ça, pareil, la tulipe, elle est vraiment ridicule. Hein. Dans les cheveux, c'est un peu... Et j'ai l'impression que c'est trop... peut-être trop rose. On va faire une tenue avec un t-shirt. J'adore cette robe, mais... J'ai pas galéré autant à se faire une tenue. J'adore ça. Ça, j'aime trop. Je pourrais associer avec le petit jupe culotte, en vrai, ou ça. Ça, ça descend trop bas, je pense. Ouais... Une short en dentelle. En vrai, ça peut matcher. Si je mets un chapeau ou un truc blanc. Ça, c'est... Ça, si je comprends pas. Un hachimaki tressé. Michael Jackson, is that you? J'ai rien, en fait, sans... C'est l'antenne de Lolo. Tu l'as laissé traîner, Lolo, t'abuses, hein, franchement. Ça, c'est dommage parce qu'en fait, il monte la barre du bandeau, genre. Ça aurait pu être mime, c'est tout, mais c'est pas très beau. Bisous, Charlize. C'est lisse ou rien, ouais, j'avoue qu'en vrai, je vais peut-être partir sur la lisse dans un bout. Hein. Moi aussi. Ça, je l'aime bien aussi, l'épingle frangipanier, mais ça va faire trop bizarre avec la couleur. Ou sinon, je remets le chapeau qui m'est dû. La lisse en vrai, pourquoi pas, mais... Alors si je mets ça... Alors si je fais un look saut 2020, on peut mettre ça. Je mettais ça, c'était ce masque que j'avais au début du jeu, je le mettais tout le temps. C'est terrible. Hein. Alors si je mets ça, il me faut des chaussures roses avec. Don't match. Matche pas. Ça, ça maturerait, mais c'est moche. Oh, comment c'est rallongé le pied. Où ça? Parfait. Un petit plâtre, on va courir avec le plâtre. Alors, je pense qu'on peut faire un truc, il faudrait mettre les chaussettes en rose alors. Ça, j'adore ces chaussures-là, elles sont trop cool en vrai. Dommage qu'il les ait pas fait en... Mais si, elles existent en rose, non? Les bottes de cow-boy. Ouais, elles existent en rose, hein, c'est ça. C'est même pas la bonne couleur. Genre ça, c'est la bonne couleur, mais pas l'autre. Ok. C'est pas la bonne couleur. Il y a plusieurs sacs comme ça. Ils sont trop mimi. Il y en a un autre encore que j'ai pas débloqué encore. Il y a le sac à dos ours. Merde. Qui est trop mimes comme ça. Il y a lui là, mais celui-là, il irait mieux, je pense, avec la couleur de cheveux violette. Ah, ça, j'aime bien. Je vais regarder vite fait la couleur des roses.
Je dois les avoir déjà eu quelque part. Ouais, Loki, ça fonctionne. Hein. Tu deviens ami plus facilement avec tes habitants si tu leur offres des cadeaux et tout. Quand tu leur parles et tout. Pourquoi ça, j'en ai plus? J'en ai plus des comme ça. Vous avez une belle vision sur les chaussures, en tout cas, c'est un plaisir. Ça, je les trouve horribles avec la semelle noire comme ça, c'est trop moche. Il y a ça aussi, mais je pense que le rose, il va être trop fluorescent. Elles sont pas en blanche, celles-ci. Hein. Non, je crois qu'elles n'existent pas en blanche. Je suis dégoûtée, elles auraient été trop belles. J'adore celle-ci. Et en gris, je sais pas, ça va matcher. Hein. Elles sont trop mimes, en vrai. Je les trouve à la fois moches, mais la couleur est trop mignonne. On dirait vraiment une chaussure de vieux, mais... Ça, elles sont trop moches, je trouve. Ils ont rien foutu dessus. Ça classique, ça. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, je pourrais mettre ça, en fait. C'est bien, ça. C'est qu'ils sont fluo, non? Ah non, j'ai même pas. Je les avais, IRL. Moi aussi, putain, t'en fierai. Je les ai jetés il y a pas longtemps. Elles étaient défoncées. Elles sont horribles, ces chaussures-là. Celles-ci en couleur comme ça. Salut Lola. Ça, je les aime bien aussi, celles-là. Elles sont mimi. Mais ça, c'est pas la bonne couleur, je pense. Venez, on commande quand même. Bon, on verra du coup demain. On va faire la journée avec cette tenue qui slay. Bon, décorons. Les bottes fourrées roses. Ouais, bah du coup, je les ai, je les ai. Les jolies rêves sont trop mimes, mais oui, de ouf. Bon, alors, voyons donc. Bah, c'est pas la même couleur de rose, ça me stresse, mais on va faire abstraction. Oh, ah, bref, abstraction. On va y arriver. Faudrait que je refasse toutes mes décos antérieures et tout aussi, parce que là, c'est une cata un peu. C'est un peu une cata, mes décos. C'est affolant de voir à quel point c'est moche que j'ai fait des fois. Surtout dans ma maison, genre, il y a des pièces où j'y vais jamais. Et du coup, je les redécouvre et je suis là en mode, ah ouais. Bon, mine de rien, j'ai un musée et une rampe à placer. Le musée, on avait dit qu'on savait pas où le placer. Et en vrai, je suis bien d'accord, je ne sais pas où le placer. Parce que j'ai plusieurs choix. Déjà, il faut que je sache où placer ma propre maison. Donc ça, c'est galère. Merci, Poud, pour le follow. Les jacinthes, Lola. J'adore les jacinthes. Regarde comme elles sont belles. Trop belles, les jacinthes. Je les aime trop. Je sais pas du tout où mettre le musée. Alors non, ma maison, on avait dit qu'on la mettrait là-bas. C'est vrai, on avait dit qu'on la mettrait là. Ma maison ou le musée? On avait dit que ma maison, on la mettrait là, mais... On fait ma maison ici ou le musée? Franchement, le musée, en vrai, ce serait peut-être plus stylé ici, non? Mais le musée, il va toujours être dans un coin de la carte. Genre, tout le temps, on fait ça. Bon, on avait parlé ici aussi, Zabou, ouais, en bas à droite. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on l'a fait la dernière fois, si jamais vous avez pas vu. Il y a la rediff qui arrive bientôt sur YouTube. On l'a fait vraiment en 2-2. En 10 minutes chrono, on a fait ça. C'est assez rapide. Enfin, 10 minutes pour planter les arbres. Hein. Pour le remodeler, c'était un petit peu plus long. Du coup, en vrai, je me tâte. Il risque de gâcher la vue. Bah, écoutez, on peut essayer. On regarde, on le place et puis on voit ce que ça donne. Oula.
imaginons, je crois que c'est plus dans ce sens-là, comme ça. Non, je pense pas qu'il va gâcher la vue. On va le mettre là. Par contre, faut qu'on mette des trucs derrière le musée parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont... Comment je peux faire? Je peux pas y accéder. Je peux pas y accéder. Merde. Mais écoutez, il y aura 4 trous derrière le musée qu'on peut pas... On pourra pas accéder. Sauf si... Non, tant pis, c'est pas grave. J'aurais pu casser et tout, mais non. Bon, par contre, c'est pas centré. C'est pas grave. On peut pas, dans tous les cas, il manque une case. Je peux pas faire mieux. Non, ça se verra pas, ça se verra pas. On peut faire... Oh, pardon, je baille. Je me demande si du coup, là, pour rattraper le fait que ce soit pas synchro... Ouais, cherchez pas, il y a 2 trous, là, c'est normal. Pire, t'ajoutes un bout de falaise vite fait. Mais il faut que je casse un autre bout de falaise, en fait, c'est ça le problème. Et dessus, il y a les buissons, il y a les trucs, il y a les machins. En vrai, je peux tester par là, mais je peux pas monter, en fait. Faudrait que je monte par là et que je déterre les 2 là. Je fasse comme ça. Et là je peux pas. Faudrait que j'enlève ça. C'est ça qui est chiant en fait. Et là je peux pas casser parce que il y a ça. Bon, ok, on passe par là. Et comment je passe? Enfin, comment je vais faire? Parce que là, ok, je peux descendre, mais il faudrait que j'aille chercher des trucs pour les planter là. Mais j'ai des fleurs. J'en ai que 3, c'est une vanne. On peut mettre un buisson. Et on va mettre 3 fleurs. C'est pas grave, elles vont bien ensemble, regardez. Hop, pas du tout. Ça va pas du tout les couleurs. Ça va vraiment pas. Là, faut que je reprenne ça. On va faire ça. Là, on va remettre la pagode. Ni vu ni cunu. Hop, et là comme ça il y aura une mauvaise herbe qui va spawner devant puis ce sera parfait, non? Là j'ai rien pour déterrer les bambous et tout. Ce sera parfait, on les verra bien comme ça derrière le musée. Nickel. Allez, on part sur ça. Du coup on avait commencé à faire ça aussi pour avoir une vue d'ensemble. Mais c'était vraiment une idée de merde. En fait, là on voit bien, certes, mais on se demandait comment placer une rampe en fait sur cet endroit-là. En vrai, on pourrait placer une rampe. Faudrait qu'on aligne ici et qu'on fasse placer la rampe en mode on montrait comme ça, touc, et on montrait comme ça. On va prendre le remodel quand même. Ah ouais, j'avoue, un muguet, ce serait pas mal en vrai. C'est vrai que j'en ai pas un seul pour l'instant. Un jour, maybe. Alors, désolée, je suis un peu molle, mais parce que je suis très concentrée, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, du coup je suis un peu fatiguée, je vous cache pas. On peut tester ça. Et genre par là. Alors, on pourrait même encore un peu. Bah, Harmonia, en fait, j'aimerais bien que ce soit autre chose que juste un point de vue, tu vois.
En fait, ça me fait chier de faire ça juste pour un point de vue. Genre, je préférerais ne rien mettre plutôt que de mettre juste une échelle. En fait, si je mets un truc, je veux que ce soit possible d'y accéder facilement, tu vois. Genre là, comme ça. Comme ça, au moins, je me dis, on casse un peu la symétrie et justement l'asymétrie du fait que ce soit pas pareil d'un côté et de l'autre. On pourrait mettre ça là. On va tester, j'ai une idée en tête. Pourquoi tu me fais des sous? Zinzin le musée là. Si je fais ça. Hop. Il faudrait que je mette des trucs. Attendez, je vais chercher mon petit débarras. Je vais en prendre un deuxième parce qu'on a de quoi faire. Franchement, j'en ai 72 là sur mon île. On va prendre un débarras. Oui. Merci. Ah ouais, ouais, c'est un super cadeau. Merci en tout cas de marquer le cap avec ce super costume. Alors, prendre quelque chose. Salut Théo, salut Chloé. J'espère que vous allez bien. Désolée, je suis un peu fatiguée. Je suis tramolo là. Alors déjà, j'aimerais bien prendre des murets en béton, des clôtures VG. Et je voulais quoi? Je voulais un débarras. Là. Prenons ce petit débarras. Je vais récupérer des graines aussi, tant qu'à faire. Au moins comme ça, je fuis pas d'une pierre deux coups, mais... Enfin, si je fuis d'une pierre deux coups, plutôt. Azalée, 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 bambou. Et on va faire du ménage avec ça, le plumeau. J'adore cet objet, il me fait trop rire. Je te trouve vraiment random. Viens un petit papillon, je te nettoie. Ah merde, je voulais lui passer un coup de plumeau sur son crâne. Nettoyons la falaise, c'est important. Ça me fait un peu marrer. On nettoie le caillou. Il est un peu sale, hein. Oh là là. C'est vraiment aléatoire ce truc là. Je sais même pas comment ça se fait qu'on l'ait. Il y a un plumeau placé. Allez, écoutez. Bisous, miss. Bisous, bisous, merci d'être passé. Salut, Ava. Non, la carreau, regardez là, près de l'arbre, comme ça. Faudrait qu'on s'occupe des jardins des habitants dans un stream aussi. Oh, pardon, je baille, je baille. La go est fatiguée, en fait. Il me fallait des sous. My bad. Il me fallait des thunas, en fait. On va aller en chercher. Merci, Lia, pour ton follow. Caro qui fait son sport à même les fleurs, vraiment elle respire la fleur. Hein. Elle a la bouche dans la fleur. Ouais, la fleur dans la bouche plutôt que la bouche dans la fleur. Ah ouais, bah bravo hein, Zabou. Ça fait du sport ici. Hein. Non, c'est vrai que c'est lourd en vrai, hein, le truc là. Même, vous savez que même moi, genre juste porter mes courses, genre le sac de course, ça me lacère le muscle. Je sais pas comment il s'appelle, mais le muscle en haut là-bas. Ça me le lacère, genre. Quand j'ai fini de rentrer les courses et que je pose le sac, la soirée, vous pouvez être sûr que je vais avoir des espèces de giga courbatures, genre. C'est terrible, en vrai. Hop, 280 000. On va se remettre un peu de sous dans les pockets, aussi. Pour au moins un bail. Oh, bah là, c'est clair, hein. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah mais demain le stream il est à midi. Oh aïe aïe. Il y a moyen peut-être que je le décale pour sortir la vidéo. Faudrait vraiment que je me bouge demain matin. Qui pèse 18 kilos, ça me fait les bras. Oh MDR. À l'aide. En vrai c'est pas faux hein. Souvent il y a des tafs qui sont tellement tellement physiques qu'au final
final, ça te fait le sport de la semaine. Hein. Ah, mais c'était que... Mais chaque fois, je me trompe. Je crois qu'il est plus cher, mais même pas. Rue Valentine, écoute, on a droppé deux photos aujourd'hui. On a eu la photo de Réna et de Robert. Et c'est à peu près les seules avancées majeures qu'on a. Et là, on vient de placer le musée finalement ici et une rampe. Et là, en fait, je me tâte. Je vous explique. J'aimerais bien me dire que potentiellement au-dessus là. Déjà, ça faut qu'on fasse un mur là. Ce soir, j'aurai une espèce de petite terrasse. Avec un mini point de vue, genre quelques petits bancs. Ah la vache. Ouais, je sais, je pourrais mettre un dac, mais ça me servirait à rien parce que... Enfin, là pour l'instant, il n'y a rien qui est placé, donc... Enfin, si je mettais un dac dans cette zone, je sais pas ce que j'en ferais, quoi. Dans tous les cas, il me faut un dac, donc autant que je rentre... dans le bâtiment. Ok. Ici, il faudrait mettre des fleurs. Il faudrait que j'en remette. Comment je vais placer... Je pense que dans tous les cas, on va pas avoir trop le choix. On va devoir mettre ça. En vrai, là, j'en ai deux des motifs comme ça, mais je sais pas à quoi ils me servent. On pourrait faire ça. Là, ça va être chiant parce qu'il va y avoir un coin tout anguleux, là. Quoique, en vrai, ça va. C'est un tout petit bout. Non, en vrai, ça va. Je pensais que ça allait être plus dérangeant, mais non. Pourquoi l'espace... Ah non, j'ai rien dit. Il a l'air plus faible. Il a l'air plus faible ici que, genre, ici. Mais non, ça va. On va tester. On fait des tests. Ouais, de fou. En vrai, ça va. Virement bancaire. Hop, hop, hop. Salut, Elia. Merci pour ton follow et bienvenue. Hop. Je sais pas si je vais jusqu'au bord ou pas, parce que là en soi ça va jusqu'à là. Et en vrai sur le bord là on pourrait mettre une clôture de je sais pas quoi, mais une clôture. Coucou Shirachu, comment ça va? Alors on va placer... Alors j'aimerais bien mettre la clôture en béton, honnêtement. Je la trouve très cool et je pense qu'elle ajoute vraiment une dimension qu'on retrouve pas partout. Cette clôture là, parce que les clôtures végétales on les voit tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps que... Force, on est un peu habitué. Ici, tac. C'est la même ligne, ouais c'est la même ligne. Je suis pas inspirée pour cet endroit. Je suis un peu plus inspirée pour ici. Là, faut que j'enlève ça. Et là, on va mettre l'autre motif. Alors, attendez. On va mettre le gros rose ici. En carré. Hop. Donc, on peut faire. Heureusement qu'on voit bien comme ça parce que... J'ai pris vraiment le pire sens là pour placer les motifs. Faut que je fasse des allers-retours là. Faudrait que je me mette comme ça, ce sera moins chiant, je pense. Et là, on va mettre ça. Ça. Et ça. Ok. Et on pourrait mettre... On pourrait mettre... Alors on a la bleue. Comme ça. Quitte à ici en fait, peut-être pas faire ça. On va plutôt fermer. Et limite ici mettre des arbres. Donc je mettrai ça. Ça. Et un bambou.
Par contre, il faut qu'on l'enterre. Hop. En planter un. On va refaire. Alors, on va placer ça. Hop, on va se mettre le petit angle comme ça. On va pouvoir... Ah merde. Ah voilà, je me suis fail. Super. Hop. Merci. Alors, je suppose que c'est Cancun. Merci pour ton follow. Hop, on va mettre Azalée Rose ici. Comme ça, on ferme. Donc là, on pourrait mettre un petit café en face du musée. Et là, en hauteur, comment on pourrait faire? Donc là, on aurait une petite rampe. Ce serait pas trop mal. Je pense qu'en hauteur, on pourrait faire... Attends, il faut que je réfléchisse. Un petit café. Ouais, on peut faire ça, en fait. On peut faire une petite place. Mais là, en fait, il faut juste que je fasse des angles. Non, pas des chemins de terre. Je vois pas un chemin de terre, ici. Salut Samia, comment ça va? Ouais, désolée, je suis concentrée, puis je suis fatiguée en même temps. J'avoue que je vais pas trop tarder non plus, parce que je suis en train de canner, là. On peut mettre ça. Hop, ici. Si on doit remettre un truc, on va remettre ça. 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 On peut même remettre ça. Je sais pas s'ils sont bien placés, au pire on les remettra. Et là, on peut faire la même. Comme ça. Oh merde. Je pense qu'il faudrait qu'on place un ou deux arbres quand même dans le fond ou sur le côté. Je sais pas trop comment on pourrait faire. Je vais placer les contours déjà. On va déjà faire ça. Je sais pas si ça va rester ce motif là ou si on va le changer par la suite. Enfin, si on va le changer, si genre on va le modifier au niveau des... enfin, du positionnement ou quoi. Ça me choque pas trop que ce soit pas très régulier en vrai sur les contours. Je trouve pas ça spécialement choquant. Là, c'était pas ça que je voulais prendre. Par contre, faudrait qu'on mette des grilles. Ouais, j'avoue que ça là, faut qu'on mette. Ce sol-là, je le trouve très mimi, je l'aime beaucoup. Genre, j'y suis très attachée alors que... Vas-y, on dirait que c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Pour être attachée au sol comme ça, là. Et là, on peut remplir de manière plus efficace. Donc, ce serait comme ça. Non, faut que je place derrière aussi. Je suis zinzine, moi. En vrai, on peut mettre une grille ici. On peut mettre ça à côté. Comme ça. Hop les. Merci Tulip Rouge pour ton follow. Et là, on peut faire... Hop. Comme ça. Merde. Et on pourrait même... mur et bloc de béton ou VG. VG en haut, je pense.
pourrais même faire ça comme ça. Merci Léa pour ton follow. En fait, on peut se servir de cette ce creux quand même. De chaque côté, sauf du côté gauche, du coup, c'est vrai que c'est un peu con. Même si je fais ça. Faudrait pas que je mette les coins en fait, je pense. Mais là c'est louche comme ça. On est tous le zinzin de quelqu'un, j'avais pas vu Shirashua. Toi t'es notre petit zinzito toi, on te reconnaît. À moins que j'arrondisse, c'est qu'en fait je fasse genre juste une ligne carrée et que derrière je mette des buissons et des fleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Merci pour vos follow, merci merci sur TikTok, merci. Salut Juju. Je ne sais guère, je ne sais guère. Bon, au pire, on verra quand ce sera fait. On aura plus fait d'habitants today que de déco. Je vais me permettre de me remettre au premier quand même. Et je vais m'arrêter sur ça pour today. Ça fait quand même presque 3 heures. J'avoue que je suis vraiment KO et j'ai encore plein de trucs à faire. Après je dors plus en fait, là j'ai l'impression de ne pas dormir assez. On va juste se remettre à la bonne... bon timing au niveau des minutes. Voilà. Ok.